أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقنت منكن لله ورسوله ودعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وَذُكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله. Merci pour toujours. Priez de vous assurer, s'il vous plaît. Merci à la sœur Zéda pour 42. Nous allons sans plus attendre recevoir celui qui a aidé la PCO de cette édition d'Alphocane à la personne de Soa Sato qui est titulaire de licence en informatique développement d'applications. Elle travaille actuellement dans une structure de la place en tant que développeur web et mobile. À cette source, sous vos ovations, s'il vous plaît. Éminence oustas de notre belle religion, honorable invité, à vos grands grades et qualités, auguste assemblée, chères sœurs, nous vous adressons de prime abord le salut de la fraternité, le salut de la paix et de l'apaisement. Ce salut qui témoigne de la bonne intention que tout homme se doit de nourrir permanemment pour son prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À l'occasion de son séminaire de formation islamique pour la pudique Sefim, dénommé Alphocane 2021, c'est avec honneur que je prends la parole ce matin au nom de tous les membres du comité d'organisation. D'abord pour exprimer notre gratitude à l'ensemble des présents et ensuite leur souhaiter la bienvenue à l'Institut Voltaire de Marcory, cadre d'accueil par excellence de notre importante activité. Je rends gloire à Allah pour avoir inscrit cette noble responsabilité dans mon destin
puis aux administrateurs du groupe Le Voile Ma Pudeur pour la confiance. Je remercie Madame Sissavané, DG de Imotexi, qui, malgré ses nombreuses et compréhensives occupations, a accueilli très favorablement le patronage de la cérémonie du jour, montrant ainsi tout l'intérêt qu'elle nous porte. Chères sœurs, la tenue de ce séminaire a été rendue possible grâce au concours des membres du comité d'organisation, des administrateurs du groupe Le Voile Ma Pudeur et de nos différents oustazes. À nos encadreurs, aux braves membres du comité d'organisation, ainsi qu'à l'ensemble de nos bienfaiteurs, nous marquons notre reconnaissance pour leurs différentes sollicitudes et rappelons à tous le caractère évocateur du verset 19 de la sourate 17 à l'Isra, le voyage nocturne. Et ceux qui cherchent l'au-delà et fournissent les efforts qui y mènent, tout en étant croyants, alors l'effort de ceux-là seront reconnus. Car la récompense nos efforts. Chères sœurs, je termine pour dire que le présent séminaire n'a lieu que par la dévotion de toutes les sœurs et en tant que telle, elle comporte très certainement des imperfections. Ainsi, nous vous prions de bien vouloir excuser les quelques manquements qu'il vous serait donné de noter. Sur ces mots, le comité d'organisation, à travers ma modeste personne, vous remercie de votre présence et de votre aimable attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au passé de nombre d'apprécieux, merci à la sœur Assel Dussou. Il est 10h, il est l'heure pour notre conférence. L'oustaz Ben Ahmed est installé, il va nous éduquer sur l'éducation spirituelle de la femme musulmane. Nous allons laisser la parole pour 2 heures du temps. Oustaz, c'est à vous. الحمد لله الذي خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور نحمده تعالى ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل على الشبيد والنذير والكفر والبصير ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد وأشهد أن خير والقام لله وركع وسجد محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه أجمعين أما بعد فإن أستك الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير هدي هادي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعات دلالة وكل دلالة في النار وقال جل في علا في كلام الرحمن تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتام التسليم على نبينا محمد الصادق لوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أخرجنا من ظلمات جهل والوهم إلى أنوار معرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات الخربات يا أختنا كرامة إخوان في الله تبارك وتعالى والسلام الله تعالى عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله On va remercier Allah Jalla wa Ala wa Tabarak wa Ta'ala wa Jalla fi Ghula Hu al-Fatiru al-Samawati wa al-Ard Allah Tabarak wa Ta'ala qui a fait de nous ses créatures Allah Subhanahu wa Ta'ala qui a fait de nous ses serviteurs Allah Jalla fi Ghula qui nous a comblés de beaucoup d'honneur Allah Tabarak wa Ta'ala qui nous a honorés à travers Ad-Din al-Islam Remercie Allah Tabarak wa Ta'ala Allah qui nous a comblés encore d'honneur à travers Al-Kitab al-Nur كلام الله تبارك وتعالى كلام الرحمن جل في علا القرآن الكريم Remercie Allah تبارك وتعالى Allah qui par-dessus tout cela nous a encore comblé d'honneur en choisissant pour nous la meilleure des créatures le meilleur des modèles qui n'est rien d'autre que النبي عليه الصلاة والسلام وأفضل الصلاة وأتم التسليم Remercie Allah تبارك وتعالى Allah qui nous a réunis autour de cette parole de bien autour de cette assise du din Cela est une grande faveur de la part d'Allah. Parce que si chacun d'entre nous a quitté, a laissé sa demeure, et si on a cheminé jusqu'ici afin de participer à cette assise-là, c'est dans un seul but et avec un seul souci. Dans le souci de nous parfaire et surtout d'améliorer au mieux notre relation avec Allah. Et dans le souci d'apprendre au mieux la meilleure manière de cheminer vers Allah, tabarak wa ta'ala, et surtout dans le souci de préparer au mieux notre rencontre avec Allah, Yawm al-Talaq, Yawm al-Haq, Yawm al-Qiyam. Et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, bi-idhnillahi tabarak wa ta'ala. Ya ukhtana kirama, ikhwanu fillahi tabarak wa ta'ala. Wallahi l'azim Allah, il nous veut du bien. Et Allah tabarak wa ta'ala, il a tracé pour nous la plus belle des voies. Alaydi jalla wa ala, walakin Allah habbaba ilaykum al-Iman. وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون على يد جل وعلا وتبارك وتعالى إدي ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان على ici dans ce verset là il va montrer aux musulmans aux croyants que lui Allah Jalla wa Ala il nous a comblé de beaucoup de faveurs Allah, il commence par nous citer les faveurs qu'on a reçues. Allah, il dit, Jalla wa ala, walakin Allah habbaba ilaykum al-Iman. Il dit, lui, Allah, tabarak wa ta'ala, il a regardé tous les banu Adam. Il y a beaucoup de femmes à la surface de la terre. Mais Allah, il a voulu déjà qu'on soit, que vous soyez des musulmanes, ou bien qu'on soit des musulmans. Mais Allah, il ne s'est pas arrêté là. Allah, il dit, walakin Allah habbaba ilaykum al-Iman. Il dit, lui, Allah, Jalla wa ala, il a fait en sorte que dans le cœur de chacun d'entre nous, Lui Allah, il a installé dans le cœur de chacun d'entre nous l'amour du iman, l'amour de la foi. Et chacun d'entre nous a aimé le iman et aime la foi. Et chacun d'entre nous se sent apaisé, se sent tranquille lorsque son iman, il progresse, lorsque sa foi, elle est en train de grandir, elle est en train de progresser. Ensuite, Allah, il dit, Jalla wa ala, wa zayyanahu fi qulubikum. Il dit, non seulement il nous a fait aimer la foi, mais lui Allah, Jalla wa ala, Il a embelli la foi dans nos cœurs. Allahu Akbar. Wa karraha ilaykum al-kufr wal-fusuq wal-isyan. Il dit en plus de tout cela, lui Allah Jalla wa Ala, il a fait en sorte que nos cœurs détestent la perversité, que nos cœurs ont du dégoût pour tout ce qui va nous éloigner d'Allah Jalla wa Ala, que nos cœurs ont du dégoût pour tout ce qui va nous rabaisser fi dunya wal-akhirah, que nos cœurs dégoûtent tout ce qui est désobéissance, tout ce qui est haram et tout ce qui nous a été proscrit par Allah Tabarak wa Ta'ala. Ensuite, Allah il dit, Wallahi, au verset qui suit, il dit, Fadlan min Allahi wa ni'ma, Allahu Akbar. Allah dit, telles sont les faveurs et les grâces d'Allah, tabarak wa ta'ala. Voilà pourquoi, Wallahi, l'Azim, nous, on se doit de remercier énormément
simplement Allah tabarak wa ta'ala. Mais Allah jalla wa ala wa tabarak wa ta'ala, il ne nous a pas donné le iman pour rien. Il ne nous a pas donné la foi en vain. Et il n'a pas embelli ce iman-là dans nos cœurs pour rien. Parce qu'Allah jalla wa ala, il voudrait que chacun d'entre nous puisse atteindre un certain maqsad, un certain objectif déterminé et fixé par Allah tabarak wa ta'ala. Et cet objectif-là, comme l'a dit Allah jalla wa ala, wa anna ila rabbika al-muntaha. Cet objectif-là, c'est notre rencontre avec Allah tabarak wa ta'ala. Comment on sera le jour de la résurrection? Comment je serai face à Allah tabarak wa ta'ala? Est-ce qu'Allah il va m'accepter ce jour-là? Est-ce qu'Allah il va me rabaisser ce jour-là? Est-ce qu'Allah jalla wa ala, il va accepter mes œuvres ce jour-là? Est-ce qu'Allah il va me compter parmi ceux-là dont lui Allah il va accorder un grand pardon ce jour-là? Ou bien Allah jalla wa ala, il va m'éloigner de sa vue? Ou bien Allah tabarak wa ta'ala, il va me châtier pour mes méfaits? Ou bien Allah il va m'humilier ce jour-là aux yeux de tous les banu Adam et il fera de moi un perdant yawm al-talaq, yawm al-haq, yawm al-qiyama? C'est dans ce souci-là qu'Allah nous a donné la religion. Mais wallahi l'azim, cette rencontre avec Allah là, cette grande rencontre, comme l'a dit Allah, yawm al-talaq, le jour de la rencontre, ou yawm al-haq, ou yawm al-qiyama, le jour de la vérité, ou le jour des comptes, comme l'a dit An-Naba alayhi salatu salam, le jour de la plus grande difficulté, wallahi l'azim. Cette rencontre là qu'Allah il a fixée à chacun d'entre nous, cette rencontre là elle est liée à un facteur, à un point très important qui nous sera très utile et qu'on va développer aujourd'hui, qui ont rapport à voir avec le thème qui concerne l'éducation spirituelle de la femme musulmane. Wallahi l'azim, à quel moment le croyant ou la femme croyante rencontrera Allah jalla wa ala dans le meilleur état qui soit? À quel moment Allah tabarak wa ta'ala yawm al-qiyama, il va accepter la femme musulmane ou la femme croyante et il va l'honorer ce jour-là par-dessus toutes les femmes et Allah il va lui accorder la plus belle des récompenses qui est le Jannatul Firdaus. Excusez-moi, Oustaz est un peu souffrant. Je suis asthmatique, je tousse beaucoup dans cette période et qu'Allah nous pardonne. Et qu'Allah nous donne à tous aussi la santé. Donc à quel moment cette rencontre-là, wallahi l'azim, sera une rencontre qui nous sera profitable? Wallahi l'azim. Allah jalla wa ala, il a lié la réussite de ce jour-là à un facteur très important. Et Allah jalla wa ala plusieurs fois, il nous relate cela dans le Coran. Si vous avez l'habitude de lire le Coran, vous allez remarquer que plusieurs fois, il y a des versets qui reviennent énormément. Ou Allah il parle généralement de ceux-là qui réussiront, des hommes qui réussiront ou des femmes qui réussiront le jour de la résurrection. Et tout à l'heure, lorsque notre sœur elle faisait la lecture, elle a cité un verset extraordinaire. Wa la yadjalla wa ala inna al-muslimina wal-muslimat wal-mu'minina wal-mu'minat wal-qanitina wal-qanitat was-sadiqina was-sadiqat was-sabirina was-sabirat wal-khashi'ina wal-khashi'at wal-mutasaddiqina wal-mutasaddiqat was-sa'imina was-sa'imat wal-hafizina furujahum wal-hafizat wadh-dhakirina Allah katiran wadh-dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dans ce verset là, Allah il a cité des qualités qui feront que les hommes ils vont réussir le jour de la résurrection. Mais Allah, en citant ceux qui vont réussir ce jour-là, Allah il n'a pas oublié les femmes. Allah ici il parle des hommes, il utilise le mot ou bien l'adjectif au masculin et il utilise le même adjectif au féminin. Il utilise le même mot au masculin, il utilise le même mot au féminin. Allah il dit inna al-muslimina wal-muslimat. Allah dit ceux qui réussiront le jour de la résurrection, c'était des croyants, des musulmans wal-muslimat et des musulmanes wal-mu'minina wal-mu'minat. C'était des croyants et des croyantes wal-qanitina wal-qanitat. C'était des êtres obéissants et des êtres obéissantes. Allahu Akbar. Allah, il cite les hommes et il cite les femmes pour qu'on comprenne de façon claire que le Jannat, la réussite le jour de la résurrection, n'est pas seulement réservée aux hommes, mais la réussite yawm al-qiyama est aussi réservée aux femmes. Wallahi l'azim. Mais à quel moment cette réussite-là, wallahi l'azim, on pourra l'obtenir? Je disais tout à l'heure que cela est lié à un facteur. Si vous lisez constamment le Coran, je cite un verset comme ça, wala yadi jalla wa ala inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sourate Al-Qalam. Je prends un exemple. Allah dit jalla wa ala inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Allah dit que les pieux, ceux qui réussiront, femmes comme hommes,
seront dans le Jannat. Mais pourquoi Allah il va les introduire dans le Jannat? Regardez le mot qu'Allah il utilise. Il dit Inna lil muttaqina 'inda rabbihim. 'Inda rabbihim. 'Inda rabbihim jannatin na'im. Allah, quand il veut parler de la plus belle des récompenses qu'on donne à une créature, avant de parler du paradis, avant de parler du Jannat, Allah il a évoqué un bienfait avant le Jannat. Allahu Akbar. Et c'est quoi ce bien-là? Allah il dit Inna lil muttaqina 'inda rabbihim. 'Inda rabbihim jannatin na'im. Les ulama rahimahumullah, ils disent sans ce bien qu'Allah il a cité, le paradis n'aura aucune valeur en réalité. Allahu Akbar. Sans cette petite expression-là, on n'aurait même pas voulu entrer au paradis. On n'aurait même pas chercher le Jannat. Là, juste une petite expression. Allah, il dit Inna lil muttaqina 'inda rabbihim. Allah dit les pieux ou les pieuses, si vous voulez. Première récompense, Allah dit les pieux ou les pieuses seront auprès de leur Seigneur dans un jardin au Jannat. Allah a parlé d'abord de la proximité avec lui avant de parler du séjour au paradis. Ça veut dire quoi? On recherche le Jannat parce que la vie au Jannat, c'est une vie à proximité d'Allah. On cherche le Jannat parce que la vie au Jannat, tant qu'on vivra au paradis, on se rapproche d'Allah. Comme l'a dit An-Nabi alayhi salatu wa salam, wa afdalu salatu wa atamu taslim. Il dit ceux qui seront au Jannat, ceux qui seront au paradis, il dit tellement ils seront proches d'Allah, Jalla wa Ala, Allahu Akbar. Il dit ceux-là, ils auront la possibilité de voir Allah avec leurs yeux, de voir la face d'Allah avec leurs yeux, tout comme on a la possibilité de voir clairement la lune, la pleine lune avec nos yeux. Allahu Akbar. Imaginez, tellement Allah, il se rapproche de ses serviteurs. Allah, il dit, Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Allah parlait d'abord de la proximité avec Allah. Et cette proximité avec Allah, là, c'est ce qu'on appelle la spiritualité. Je ne sais pas si vous comprenez très bien ce que je dis. Cette proximité avec Allah qui nous permettra d'avoir le Jannat, cette proximité qu'on recherche tant, je veux être proche d'Allah. Je veux être proche d'Allah. Je veux sentir qu'Allah il entend mes doigts, qu'Allah il m'écoute, qu'Allah il est là quand j'ai besoin de lui. Je veux sentir que je ne suis pas loin d'Allah. Jalla wa ala. Cette proximité-là, c'est ce qu'on appelle la spiritualité. Et ça, c'est le, si vous voulez, la clé d'accès au Jannat. Parce qu'Allah il dit, Inna lil muttaqina 'inda rabbihim. La première récompense donnée aux pieux, ceux-là ils seront proches de leur Seigneur. Et comme Allah veut être proche d'eux après leur mort, Allah va les installer au Jannat pour qu'ils soient proches d'Allah. Point barre. Parce que ceux-là, dans leur vie de la dunya, ils ont valorisé Allah. 'Inda rabbihim jannatin na'im. La proximité avec Allah, ma relation avec Allah. Alors, comment s'éduquer dans cette spiritualité-là? Surtout pour la femme musulmane. Comment faire en sorte que ma relation avec Allah soit bonne? Naam. Comment faire en sorte que ma relation avec Allah soit bonne? Comment vivre à telle enseigne que Allah il sera avec moi? Allah il va m'accepter. Allah il va m'aimer. Allah il va me valoriser. Et Allah, Jalla wa Ala, jamais il ne m'abandonnera. Jamais il ne me délaissera. Comment vivre dans la dunya en ayant une bonne relation avec Allah, Jalla wa Ala? C'est ça l'éducation spirituel, si vous voulez. C'est toute une éducation. Oui, c'est toute une éducation. Vous savez, aujourd'hui, on confond beaucoup de choses. On confond s'informer et s'éduquer. Et très souvent, en islam, on s'informe beaucoup, mais on ne s'éduque pas vraiment. Wallahi l'arbi. L'objectif du din, c'est pas juste de nous informer. L'objectif du Coran, c'est pas juste de nous informer. Parce que lorsqu'Allah parlait du Coran, Allah il a dit Nazzalahu ala qalbika bi'idhnillah. Voilà ce qu'Allah il a dit. Quand Allah parlait du Coran, il a dit quoi? Nazzalahu ala qalbika bi'idhnillah. Allah il a dit au prophète, nous avons fait descendre ala qalbik, ala qalbik, ala qalbik. Allah il dit au prophète, nous avons fait descendre sur ton cœur le Coran. Point barre.
Le Coran, c'est pas juste pour la mémorisation, c'est pour le cœur. Et l'éducation spirituelle, elle se fait avec le cœur. Wallahi l'arbi. Avec le cœur. Le corps n'est qu'un soutien, un complément. Mais en réalité, l'éducation spirituelle se focalise sur l'éducation du cœur. On dit que tu es éduqué spirituellement, que tu as reçu une bonne éducation spirituelle, lorsque l'éducation que tu as reçue a tellement reformé ton cœur, que ton cœur contient les qualités et les valeurs voulues par Allah. Point barre, c'est tout. L'éducation spirituelle est liée à quoi? Au cœur. Wallahi l'arbi. Comment? Le cœur il sera dans l'état voulu par Allah. Voilà pourquoi An-Nabi alayhi salatu salam, il a cité ce hadith en or, comme l'a cité ici Cheikh al-Islam al-Imam al-Bukhari rahimahullah fi al-Jami' as-Sahih. Ce hadith sahih là, où An-Nabi alayhi salatu salam il dit, le même hadith a été repris par Muslim ibn Hajjaj rahimahullah fi al-Musnad as-Sahih. Où An-Nabi alayhi salatu salam il dit, il y a un morceau de chair en l'homme. Si ce morceau de chair il est pur, tout le restant du corps sera pur. Si ce morceau de chair il est corrompu, tout le restant du corps sera corrompu. An-Nabi dit, ce morceau de chair, c'est le cœur. Et lorsqu'Allah il a parlé des faveurs qu'on a reçues à travers le Coran, Allah il a dit, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ. Voilà le mot qu'Allah il a utilisé. Allah il dit, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ. Allah dit, lui Allah, il nous a accordé une grande faveur du simple fait qu'il a fait sortir parmi nous un prophète. Allah dit, يَتْلُو عَلَيْهِ آيَاتِهِ. Allah dit, un prophète qui vous a récité les versets d'Allah. Il vous a transmis la parole d'Allah. Mais pourquoi? Pour atteindre quel objectif? Allah dit, وَيُزَكِّيهِمْ. Pour qu'à travers ces versets-là, vos cœurs se purifient. Point barre. وَيُزَكِّيهِمْ. Et ensuite, Allah dit maintenant, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ. Et si vos cœurs sont dans l'état voulu par Allah, à ce moment-là, vous serez de vrais apprenants et vous serez de véritables savants. Wallahi l'a. Voilà pourquoi An-Nabi nous a appris que le cheminement spirituel se fait avec le cœur, al-qalb. Et donc l'éducation spirituelle doit être orientée et axée vers le cœur. Ça c'est clair. Et vous savez, pour la femme musulmane, l'éducation n'est pas vraiment différente de l'éducation de l'homme. Sauf qu'il y a certains additifs dont on verra, inshallah. Quel est le meilleur des éducateurs qu'on a reçu? C'est le prophète, alayhi salatu salam. Ça, il n'y a rien à dire. Et pour savoir comment éduquer au mieux une femme musulmane, il faut retourner un temps soit peu sur la vie de Nabi, alayhi salatu salam. Et on verra comment il a éduqué les sahabiyyas, radiyallahu ta'ala anha. Comment il a éduqué ces femmes-là qui vivaient à son époque? Hein? Il a commencé par quoi d'abord? Est-ce qu'il a commencé par dire halal haram et à mettre tout le monde en enfer? Parce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Hein? Halal haram, nous on a le cachet pour que les gens, ils entrent en enfer. C'est nous qui mettons le cachet pour que tu entres ou bien au paradis ou en enfer. Allahu Akbar. An-Nabi alayhi salatu salam, il a été un éducateur spirituel si vous voulez. Le meilleur des éducateurs pour le cœur. Et celui qui veut s'éduquer au mieux, la femme musulmane qui veut s'éduquer spirituellement, qu'elle médite énormément sur la sunna et sur les méthodes de Nabi alayhi salatu salam. Quel est le premier point qu'on va traiter, bi'idhnillah, dans l'éducation spirituelle de la femme? Vous savez, au début du din, Allah Jalla wa Ala, lorsqu'il a choisi An-Nabi alayhi salatu salam, comme un Nabi, comme prophète, comme un Rasoul, comme messager. Le prophète, alayhi salatu salam, au début de l'islam, lorsqu'ils étaient à la Mecque, lorsqu'ils subissaient beaucoup d'oppression et de difficultés, c'est à ce moment-là que Allah il a commencé leur éducation spirituelle et que le Nabi a commencé à les éduquer spirituellement. Mais le prophète, alayhi salatu salam, il a commencé l'éducation spirituelle de sa communauté avec quoi? Les savants, ils disent que Nabi alayhi salatu salam, il a commencé leur éducation avec le tawhid. C'est ce qu'on nous dit, avec le tawhid. Et ça, c'est quelque chose de répandu. Tout le monde l'accepte, bi'idhnillah. Mais le problème, c'est qu'on ne comprend pas exactement c'est quoi s'éduquer dans le tawhid. Ça, on n'a pas compris. Parce qu'aujourd'hui, on lit beaucoup de bouquins. On a mémorisé beaucoup de règles autour du tawhid.
On sait al-tawhid al-rububiyya, al-uluhiyya, al-asma wa sifat, al-asma al-tawhid al-uluhiyya, al-kamal al-tawhid al-uluhiyya. On a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de principes. Mais le problème, c'est qu'on a mémorisé toutes ces règles, mais est-ce que nos cœurs ont été éduqués dans le tawhid? Or, c'est la première étape dans l'éducation du cœur ou dans l'éducation spirituelle d'une femme musulmane. Puisque là, on parle d'une femme musulmane. L'éducation avec le tawhid. J'ai expliqué les choses de façon simple, vous allez comprendre beaucoup de choses. La parole du tawhid dit, c'est une parole unique, qui reste inchangée. C'est quoi? La ilaha illallah. C'est ça la parole du tawhid. La ilaha illallah. La ilaha illallah. C'est ça la parole du tawhid. Comment le prophète a éduqué les compagnons avec la parole du tawhid? Premier point. Donc, premier conseil. Pour qu'une femme s'éduque spirituellement, il faut que cette femme-là, elle apprend son cœur, si vous voulez, à comprendre et accepter le tawhid. Je vais l'expliquer. Lorsqu'on dit « La ilaha illallah », nous sommes en train de démontrer à Allah qu'il y a Allah, nous avons reconnu ton statut. Ton statut est que tu es unique, tu es spécial. Laysa kamithlihi shay. Tu n'as pas de semblable, rien ne te ressemble. Et nous, nous avons reconnu, ya Allah, que tu es unique, tu es l'unique Seigneur, tu es l'unique divinité, et on ne va adorer que toi seul. C'est ça, la ilaha illallah. À la base, de façon littéraire. Mais lorsqu'on part un peu plus profondément, j'explique de façon simple. Lorsqu'une personne donc dit la ilaha illallah, celui-là, il est en train de démontrer ou affirmer qu'il a reconnu le statut d'Allah. Et lorsqu'on dit « La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah », on est en train de dire qu'il y a Allah. Cet homme que tu as choisi pour nous là, qui est Muhammad ibn Abdallah, non seulement j'ai reconnu que toi Allah, tu es l'unique Seigneur, mais j'ai aussi reconnu et j'accepte que cet homme, il provient de toi, c'est ton messager et tu l'as envoyé pour m'orienter et pour m'apprendre quoi? La plus belle des voies. Donc j'accepte non seulement le statut d'Allah en tant que Seigneur, unique divinité, et j'accepte en plus de cela le statut en tant que messager de Nabi alayhi salatu salam. Commençons d'abord par le fait d'accepter le statut d'Allah. En quoi cela nous aide dans notre éducation spirituelle? Celui qui dit la ilaha illallah, il accepte qu'Allah il est unique. Il accepte qu'Allah il est un. Et il comprend qu'Allah n'a pas d'égal, qu'Allah n'a pas de semblable. C'est Allah qui l'a dit. J'explique de façon simple, vous allez comprendre. Si Allah il est unique, qu'Allah n'a pas de semblable, ça veut dire qu'Allah il est spécial. C'est ça? Allah il est spécial. Ok. Si Allah il est spécial, ça veut dire donc rien ne ressemble à Allah. Ça on accepte tout cela. Écoutez bien ce que je vais dire, vous allez comprendre beaucoup de choses. Lorsque dans la vie d'un homme ou dans la vie d'une femme, lorsqu'une chose est unique dans ta vie, ou lorsqu'une chose est spéciale dans ta vie, lorsqu'une chose n'a pas d'égal, n'a pas de ressemblance dans ta vie, lorsqu'une chose est unique et spéciale dans la vie d'une personne, quelle valeur l'homme y donne à cette chose? Ça, c'est la question. Si jamais une chose est unique et spéciale dans ta vie, tu rabaisses cette chose ou tu valorises cette chose? C'est ça la question. Je ne vais pas aller trop loin. Dans notre dîne, on n'a pas deux mamans, on n'a qu'une seule mère. C'est ça, non? On n'a qu'une seule mère. On aura des femmes qui vont prendre soin de nous, qui vont nous aider. Mais on a une seule mère. La femme qui nous aura porté dans le ventre, hein, c'est une seule personne. Elle ne va pas nous porter quelques mois, puis elle le passe à une autre femme. Toi, tu le portes aussi quelques mois. Non, non, non. C'est une seule personne, comme l'a dit Allah. « Hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahn » Allah dit, votre mère vous a porté peine sur peine. Donc, c'est une femme. C'est Allah qui l'a dit. Naam. Du fait que notre mère, elle est unique dans notre vie. Du fait que notre mère est la seule femme qui nous est portée. Et elle nous a bercés. Et en plus de cela, elle nous a donné à téter. Et en plus de cela, elle s'est occupée de nous. Elle a changé nos couches. Elle a coupé son sommeil pour nous. Elle a supporté les plus grandes des peines, des douleurs à cause de nous. Elle a accepté l'humiliation, les pires des difficultés à cause de nous. Aujourd'hui, quelle valeur nous donnons à notre mère? Ça, c'est la question. Hein? Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter
pour honorer notre mère. Imaginons qu'on te dit que ta mère, elle est malade. Hein? Qu'est-ce que tu seras prêt à faire pour venir en aide à ta mère? Tu vas courir dans tous les sens. Tu seras capable de t'humilier devant certaines personnes pourvu que tu puisses avoir un peu d'aide pour soigner ta mère. Pourquoi? Parce que tu as compris qu'elle est unique dans ta vie, qu'elle est spéciale. C'est la seule femme qui t'a porté. C'est la seule femme qui t'a donné à téter. C'est la seule mère que tu as. Et automatiquement, tu l'as valorisée. Tu lui as accordé la plus grande des estimes. Donc si nous on dit « La ilaha illallah » et que nous on dit « Allah, il est unique », qu'Allah, il est spécial, qu'Allah, il n'a pas de semblable. Allahu Akbar. Si Allah, donc, il est unique, et qu'Allah, il est spécial dans notre vie. Si Allah, il est unique, et qu'Allah, il est spécial dans notre vie. Quelle valeur nous devons donner à Allah? Voilà la question. Si j'ai valorisé ma mère à ce point, ma mère, elle m'a aimé quand j'ai été dans le ventre. Avant que je ne vienne au monde, elle m'a aimé. Pour cela, je l'ai valorisé. Elle est unique dans ma vie. Mais Allah m'a aimé avant que je ne vienne dans le ventre de ma mère. Quelle valeur je dois donner à Allah? Hein? Quelle valeur je donne à Allah? C'est Allah qui prenait soin de moi à l'intérieur de ce ventre. C'est Allah qui s'occupait de moi. C'est Allah qui me nourrissait. C'est Allah qui prenait soin de moi. Personne ne savait comment je vivais. Tout le monde attendait seulement ma venue. C'est Allah qui a facilité ce jour-là. Et Allah a facilité à ce que je vienne au monde. Cette femme, elle s'est occupée de moi avec la permission d'Allah. Elle m'a aimé avec la permission d'Allah. Elle a changé mes couches avec la permission d'Allah. Elle m'a assisté avec la permission d'Allah. Si elle, elle est spéciale dans ma vie, que dire d'Allah? Que dire d'Allah? Quelle valeur je dois donner à Allah? Quelle valeur je dois donner à Allah? Donc vous remarquez que lorsqu'une personne a compris le tawhid, lorsqu'une personne laisse son cœur s'éduquer par le tawhid, la première qualité qui s'installe dans son cœur, qui va l'éduquer spirituellement, celui-là, il valorise Allah au plus haut point. Parce qu'il accepte et il comprend qu'Allah, il est unique et spécial dans sa vie. Voilà le premier conseil. Reconnaissez le statut d'Allah et valorisez Allah. Premier conseil. Ça, c'est la base du tawhid. C'est la base du tawhid. Reconnaissez le statut d'Allah. Wallahi l'azim. Reconnaissez le statut d'Allah. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui nous arrive, c'est parce que ce point-là, il n'est pas respecté. C'est vrai, on fait la prière. C'est vrai, on jeûne Ramadan. C'est vrai, on lit le Coran. Mais est-ce qu'on a estimé Allah à sa juste valeur? Voilà la question. Est-ce que j'ai valorisé Allah comme il se doit? Voilà la question. Voilà pourquoi là, il a dit « Ma qadarullahu haqqa qadri ». Allah dit, le problème des hommes est que les hommes ne m'ont pas estimé à ma juste valeur. Voilà le problème. Ils vont prier pendant 40 ans, pendant 50 ans. Mais s'ils n'ont pas valorisé Allah comme il se doit, cette prière ne leur sera d'aucune utilité. Parce qu'ils seront même capables de négliger la prière parce qu'ils n'ont pas valorisé Allah. Ils seront capables de rester dans la prière et de penser à autre chose parce qu'ils n'ont pas valorisé Allah. Ils seront capables de négliger la salat parce qu'ils n'ont pas valorisé Allah. Ils seront capables même, subhanallah, de vendre leur prière à cause de la dunya, parce qu'ils n'ont pas valorisé Allah. Premier conseil dans l'éducation spirituelle que je vous donne, valorisez Allah. Acceptez-le et démontrez à Allah que vous lui avez donné de la valeur. Voilà pourquoi, regardez au début de l'islam. Tout ce qu'on a connu au début de l'islam, il y a eu combien de versets qui sont descendus? Il n'y avait pas assez. Nous, aujourd'hui, on a tout le Coran, beaucoup de hadiths. On lit. Mais au début de l'islam, tous ceux-là qui sont morts, martyrs, Soumeyya radiallahu ta'ala anha, Amar ibn Yassir, tout ce qu'on a connu, Bilal ibn Rabba, qui a tenu bon, tous ceux-là qui ont supporté les pires des épreuves pour Allah, ils avaient mémorisé combien de versets du Coran? Combien? Pas beaucoup. Il y avait combien de versets qui étaient descendus? Au début, il n'y avait pas assez. C'est quelques versets de Surat al-Iqra. Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq. Allah n'a même pas parlé du paradis ou de l'enfer. Quelques versets. Mais pourquoi ceux-là? Ils ont valorisé Allah au plus haut point. Pourquoi ils ont enduré les plus grandes épreuves pour Allah? Parce qu'ils ont compris une parole que nous, on n'a pas encore compris jusqu'à aujourd'hui. Le la ilaha illallah.
Eux, ils ont compris qu'en le disant, je témoigne qu'Allah est unique, il est spécial. Et pour ça, s'il est spécial dans ma vie, je dois lui donner la plus haute estime, la plus grande valeur. Et lorsque je valorise une chose au plus haut degré, j'accepte les plus grands sacrifices pour cette chose. Eux, ils avaient compris cela. Mais nous, on n'a pas encore compris. Et comment on veut cheminer vers Allah si on n'a pas accepté le statut d'Allah? Comment on va réussir? Hein? Dites-moi sincèrement. Ah, Oustaz, je veux, mashallah, que ma foi progresse. Oustaz, mashallah, je veux ceci, je veux cela. Je veux avoir un bon époux. Je veux qu'Allah, il exauce mes doigts. Apprends d'abord à valoriser Allah, c'est tout. C'est tout. C'est tout ce que Nabi nous a appris. Premier conseil, apprenez d'abord à valoriser Allah. De vous à moi, quelle valeur avons-nous donné à Allah? Hein? Allah, il dit qu'il aime le hijab. On porte le hijab aujourd'hui, c'est vrai? Pensez qu'on s'habille comme Allah, il veut? Ou bien on s'habille comme nous, on veut? Hein? Allah, il dit qu'il veut le hijab. Et il a cité ses conditions. Il dit qu'il veut que ce soit un vêtement ample et non un vêtement moulant. Faudrait pas qu'il attire le regard. Faudrait pas que le shaitan vous utilise, subhanallah, pour affaiblir des hommes et pour répandre le haram et la fausseté. Faudrait pas qu'à cause de vous, certains hommes soient faibles, qu'ils soient attirés par le haram. Allah vous a dit quel genre de hijab il voulait. Mais quelle valeur avez-vous donné aux ordres d'Allah? On a dit, na'am Allah, tu veux le hijab. Mais nous, on ne va pas porter le hijab comme toi tu veux. On va porter le hijab comme nous on veut. Et on va le porter comme nous on veut, mais quand on veut. Quand on sera marié, on va mettre le hijab. Quand on va vieillir, on va acheter un voile. Oui, il y a des femmes aujourd'hui, c'est quand elles ont 50 ans, 40 ans, qu'elles mettent le voile. Même aujourd'hui, quand tu commences à te voiler, on te dit, tu te comportes comme une vieille personne. Tu es devenue vieille ou quoi? Toi, tu jeûnes et puis tu fais ça. Mais moi-même, je suis ta maman, je ne fais pas ça. Ça veut dire quoi? Quand je vais vieillir, je vais m'habiller comme Allah, il veut. D'autres aussi, elles disent, moi, je ne suis pas encore marié, tu veux que je porte le hijab. Allahu Akbar. Quand je vais me marier, Inch'Allah, je vais mettre le hijab. Hein? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on a valorisé Allah? Première question. Vous pensez qu'on a valorisé Allah? Hein? Avec le hijab qu'on porte là? C'est ça le hijab? Moi, je le dis toujours. Hein? Peut-être qu'elle, elle me connaît. Je ne sais pas qui me connaît. Ceux qui me connaissent dans la salle, je le dis toujours. Si vous m'invitez pour une conférence, je ne viendrai jamais vous dire ce que vous aimez entendre. Si vous voulez, vous ne m'invitez plus. Et je ne viens plus. Il n'y a pas de souci. Pensez que c'est ça le bon hijab? Hein? Se maquiller comme si on partait un défilé de mode. Hein? Allahu Akbar. C'est ça la tenue qu'Allah vous a demandé de porter. C'est cette tenue-là qui fait de vous les meilleures femmes sur la terre d'Allah. Allahu Akbar. Comme l'a dit Allah, Kuntu khayra ummatin ukhrijat linnas. Elle a dit, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait sortir parmi les hommes. C'est une femme qui met un voile, qui se maquille, qui se parfume, qui sort pour attirer le regard, qui sort des démarches, qui vit comme elle veut. Allahu Akbar. C'est par ce chemin-là qu'on va s'éduquer spirituellement et qu'on aura une bonne relation avec Allah. Vous pensez? Hein? C'est faux. Ou bien en se maquillant, mettons des photos sur WhatsApp, Snapchat, pour que tout le monde sache que je suis une belle femme. C'est ça? Je change ma photo de profil chaque semaine, chaque deux jours ou trois jours, pour qu'on sache que cette sœur-là, elle est mashallah. C'est ça, non? Ça fera que vous aurez une bonne relation avec Allah. Tu te maquilles, tu mets ta photo sur WhatsApp, tout le monde te regarde, on met des likes. Donc Allah dit, comme tout le monde t'a vu, tout le monde t'a dévisagé, tu as montré à tout le monde que tu es belle, donc moi Allah, je vais t'aimer. Allah, voilà. Ouais, c'est ce que ça veut dire, c'est comme ça que vous raisonnez. Hein? Allah, il va m'aimer, je vais réussir. J'aurai une bonne relation avec Allah. C'est faux. Valorisez Allah. Valorisez Allah. Est-ce qu'aujourd'hui on a valorisé Allah? Je ne vais pas aller loin. Regardez la vie de Soumaïa radiyallahu ta'ala anha. Qu'est-ce qu'elle avait, Soumaïa? Elle n'avait rien. Elle était esclave. Elle était pauvre. Hein? Elle n'avait rien. Elle était rabaissée dans la société. Personne ne l'honorait. Personne ne la respectait. Parce qu'elle était esclave, elle n'avait pas de droit. On la traite comme on veut. On la chicote, on la fouette. On la met ici, on la met par là. On la traitait comme on voulait. Hein? Celui qui l'a possédé, Abu Udhaifa, des tribus des Banu Makhzoum, cet homme-là, tellement il la maltraitait. Mais elle patientait, qu'est-ce qu'elle avait, Soumaïa? Mais quelle valeur elle a occupée auprès d'Allah? Hein? Elle était esclave.
On l'a rabaissé. Les hommes ne lui donnaient aucune valeur. Mais quelle valeur Allah lui donnait? Vous voulez juste que les hommes vous valorisent? Juste pour ça? Vous vous maquillez? Vous sortez? Juste pour ça? Pour que les gens de la dunya vous donnent de la valeur? Allahu Akbar. Hein? Vous parlez de Soumeïa, Soumeïa, Soumeïa. Il était esclave. Hein? Son mari, Yassir, lui aussi il était esclave. Après il a été affranchi. Ils ont eu un enfant en étant esclave. C'est après qu'elle a accouché qu'on a affranchi son mari. Et il n'avait pas de maison. Il dormait chez Abu Huzaifa de Banu Makhzoum. Ce maître-là qui les maltraitait, ils étaient obligés de vivre là. Parce qu'ils n'ont rien à manger, ils n'ont pas de toit, ils n'ont rien du tout. Allahu Akbar. Lorsqu'ils ont embrassé le din, il est torturé, il est maltraité. Toute la famille, même le fils, Amar ibn Yassir, il était persécuté. Hein? Combien de fois elle a été humiliée? On dit on l'a chicoté, on déchirait ses vêtements, on l'a fait coucher sur le sable chaud. Il a piétiné autant qu'il pouvait. Mais elle est restée attachée à Allah. Elle n'a pas tourné le dos à Allah. Pourquoi? Elle n'avait pas mémorisé tout le Coran. Mais elle a compris qu'Allah, il est spécial dans sa vie. Je peux tout perdre, mais je ne vais pas perdre l'amour d'Allah. Ça, elle a compris. Ça, elle a compris. Après, ils l'ont envoyé où? Ils l'ont piétiné, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Et ils l'ont tué violemment. Elle est morte. Elle n'a pas eu, elle n'a pas vécu dans un palais, n'a pas mangé une belle nourriture. Elle est morte comme ça, en étant torturée. Hein? Elle n'a jamais eu un moment de plaisir dans la dunya en tant que telle, parce qu'elle était esclave. Hein? Elle a été torturée jusqu'à ce qu'on la tue. Mais quelle valeur elle a obtenue auprès d'Allah, Jalla wa'ala. Voilà la question. Qu'est-ce que nous on vaut aux yeux d'Allah? Hein? Qu'est-ce que nous on vaut aux yeux d'Allah? Je vais raconter une autre histoire. Une femme qu'on appelle Rabi'a al-Adawiyya, rahimahullah. Cette femme-là, c'est une femme extraordinaire aussi. Elle fait partie des femmes savantes qui ont enseigné et qui ont produit des hommes savants. Si ceux qui lisent beaucoup, vous avez déjà entendu le nom de Malik ibn Dinar, qui fait partie des plus grands savants qu'on a connus, mais Soufiane al-Thawri. Tous ceux-là ont été élèves de cette femme-là. Une femme qui a enseigné des savants. Mais Rabi'a al-Adawiyya, elle n'a pas vécu dans la facilité. Pour que vous sachiez que l'éducation spirituelle, ce n'est pas juste dans la facilité. Vous serez éprouvé, mais commencez d'abord par valoriser Allah. Elle a vécu dans une difficulté. Il est rapporté qu'il vivait, elle est née vers l'ensemble de l'Égypte par là. Et elle vivait à Bassora, avec son père et sa mère. Et ses parents étaient pauvres. Et à l'âge de 10 ans, sa mère est décédée. Et quelques mois après, son père aussi est décédé. Elle avait 3 sœurs. Ça fait 4 femmes dans la maison, il n'y a pas d'homme. Papa n'est plus là, maman n'est plus là. À ce moment-là, Allah il a éprouvé la ville de Bassora. Il y a eu une épidémie qui s'est répandue dans la ville. Et tout le monde avait peur, tout le monde fuyait. Et ça crée une certaine famine. Et automatiquement, il a commencé à avoir beaucoup de vols et de cambriolages. Et les bandits entraient sur les gens, et puis ils volaient tout ce qu'ils avaient. Et ils ont su que dans cette maison-là, le père il est décédé, la mère est décédée, il n'y a que des enfants. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attaqué ces enfants-là. Ils les ont capturés. Et à 10 ans, ils l'ont capturé et ils l'ont vendu au marché d'esclaves. Vous savez, ils l'ont vendu pour combien? Ils l'ont vendu à 6 dinars. 6 dinars. Juste pour avoir de l'argent. Lorsqu'ils l'ont vendu, Rabi'a al-Adawiyya, celui qui l'a acheté, il était méchant. Vraiment, il a fait souffrir. Non seulement il l'a acheté à bon prix, mais il l'a traité mal. Il a rapporté qu'il lui faisait subir des travaux difficiles, malgré son jeune âge. Il a fouetté, et chaque fois elle pleurait. Elle n'a ni père, elle n'a ni mère, n'a personne d'autre. Et on l'a vendue comme esclave. Et aujourd'hui, elle est obligée d'être au service d'un homme qui n'a pas pitié d'elle. Allahu Akbar. Mais cette petite fille-là, elle a compris une chose. Je peux perdre mon père, je peux perdre ma mère, je peux tout perdre. Mais ma relation avec Allah, je dois la préserver. Et ça, elle a préservé au jeune âge. Il est rapporté que malgré tous les travaux qu'elle a battus la journée, la nuit, quand son patron y dort, elle se lève et prend les ablutions. Se tient debout la nuit, elle prie et fait doa et elle pleure devant Allah. Et à chaque fois, elle dit, Ya Allah, voilà ma situation. Cet homme, il me traite mal. Ya Allah, libère-moi de celui-là et donne-moi une meilleure vie. Et elle pleurait devant Allah à chaudes larmes, chaque fois. Jusqu'à ce qu'un jour,
Il s'est levé, il est en train de faire la salat. Et son patron, il s'est levé aussi. Et il est venu, il a vu qu'elle était debout en prière. Il est resté à côté pour écouter ce qu'elle disait. Après la salat, elle a commencé à faire doa. Ya Allah, voilà cet homme qui me maltraite. Cet homme qui me rabaisse, qui me traite mal. J'ai perdu mon père et ma mère et tout ça. Voilà la vie que je mène. Ya Allah, délivre-moi de celui-là. Allah, il a fait que ce jour-là, cet homme sans cœur qui l'écoutait, il a eu pitié d'elle. Et il a dit, Ya Rabi'a al-Adawiyya. Il dit, j'ai entendu les invocations que tu as faites. Et à partir d'aujourd'hui, je te libère, tu n'es plus mon esclave. Tu n'es plus mon esclave. Je te libère. Vas-y, si tu veux, tu restes ici. Je te traiterai comme une fille. Ou bien tu pars, mais je te libère. Elle a accepté, elle est partie. Elle a décidé de s'attacher à Allah, d'aller apprendre la science. Et d'être une femme qui allait transmettre la religion. Et enseigner aussi les autres femmes. Et être une fierté pour cette communauté. Et elle est partie. Elle a été libérée. Et cette femme, il est rapporté qu'elle a tellement progressé en science que les grands savants venaient de partout pour apprendre, pour lui poser des questions. Bien sûr, derrière le hijab. Parmi ceux qui venaient apprendre d'elle, il y avait Malik ibn Dinar, il y avait Soufiane al-Thawri qui venaient lui poser des questions. Elle est devenue une grande savante dans la communauté. Et elle a produit des savants dans cette Ummah. Mais pourquoi? Parce qu'elle a accepté de tout perdre, mais elle n'a jamais accepté de piétiner ou de perdre ou d'empiéter sur sa relation avec Allah. Donc, premier conseil, acceptez et reconnaissez le statut d'Allah sur votre personne. D'accord? Si vous voulez vous éduquer spirituellement. Allah, il est unique dans ma vie, il est spécial. Je dois le valoriser. Je dois le valoriser. Celui qui me fera réussir, c'est Allah. Celui qui me permettra de me marier, c'est Allah. Celui qui me permettra d'avoir des enfants, c'est Allah. Celui qui me permettra même de donner une bonne éducation à mes enfants, c'est Allah. Celui qui va préserver mes enfants du haram, c'est Allah. Celui qui fera de moi une fierté pour ma mère ou pour mon père, c'est Allah. Pourquoi ne pas m'attacher à Allah? Acceptez le statut d'Allah. Et acceptez, deuxième conseil, le statut du prophète, alayhi salatu wassalam. J'insiste dessus. Si vous avez accepté le statut d'Allah, que vous valorisez Allah, alors valorisez aussi An-Nabi, alayhi salatu wassalam. À quel moment le fait d'accepter le statut de Nabi devient aussi un moyen d'éducation spirituelle? À partir de ce moment-là, on va voir dans la vie du prophète une vie de modèle pour nous-mêmes. Et on se mettra en tête qu'il faut que je copie sur celui-là pour réussir ma vie. Il faut que je vive comme lui. Comment il s'est attaché à Allah? Comment il a aimé Allah? Comment il a donné son cœur à Allah? Comment il vivait avec ses semblables? Il faut que je médite sur sa vie et je suive ses prescriptions pour améliorer moi aussi ma relation avec Allah. Acceptez la sunna de Nabi alayhi salatu wassalam. Quand on dit sunna, ce n'est pas seulement porter un hijab qui traîne et tout ça. La sunna, c'est plus que ça. Sunna, ça veut dire un chemin. Le chemin que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a emprunté. Méditez sur ce chemin-là. Et faites de ce chemin-là votre modèle de vie. J'ai dit quoi? Votre modèle de vie. Faites de ce chemin-là votre code de vie. Ce que Nabi a accepté, vous l'acceptez. Ce qu'il a rejeté, vous le rejetez. Wallahi l'azim. Acceptez la sunna de Nabi comme votre code de vie. Parce qu'aujourd'hui, nos sœurs sont loin spirituellement d'Allah. Pourquoi? Parce qu'elles ont abandonné le chemin que Nabi leur a tracé. On a préféré une autre coutume, une autre civilisation. C'est pas ça? C'est tout. La civilisation occidentale. Et on a abandonné la sunna de Nabi. Naam. On veut s'habiller comme eux. On veut marcher comme eux. On veut vivre comme eux. Hein? On veut même que nos mariages ressemblent à leur mariage. Aujourd'hui, c'est comme ça. Hein? Les sœurs musulmanes, c'est la robe de mariée, on jette un bouquet de fleurs, machin et tout ça. Ouais, c'est ça. Tellement on veut les imiter. Allahu Akbar. Tellement on veut les imiter. Allahu Akbar. On a oublié que Nabi, il a dit, simplifiez votre mariage et Allah y mettra la baraka. C'est le prophète qui l'a dit. Hein? Non. Tu peux faire, tu peux te faire plaisir. Mais il ne faut pas être extravagant, il ne faut pas chercher à ressembler à d'autres personnes. Non, non, non. Marie-toi comme une bonne musulmane. Tu peux te réjouir avec tes sœurs et tout. Mais je veux forcément... Ah, j'ai vu le mariage à la télévision là. Ils ont fait une mode et tout et tout. Vraiment, je veux que mon mariage soit comme ça. Allahu Akbar. Aujourd'hui, on a abandonné la sunna de Nabi. C'est vrai. Hein? Voilà pourquoi même aujourd'hui, les mariages ne durent plus.
Vous savez pourquoi? Fadane Echta, une conférence à Tekoubé, l'imam il disait, un imam qui disait, il dit dans sa mosquée, en 5 ans ils ont célébré 35 mariages. En 5 ans, tellement les jeunes se marient. 5 ans. Il dit, mais au bout de 3 à 4 ans, il dit, il y a eu 32 divorces. Vous vous rendez compte? 35 mariages, moins de 5 ans après, il y a 32 qui ont divorcé. Il n'y a que 3 qui sont encore ensemble. Pourquoi? Parce qu'on veut que notre vie de couple soit comme dans les films, les feuilletons. Ouais, c'est ça, c'est vrai. T'es pas romantique, t'es pas comme ça, t'es pas ceci. Ouais, parce que j'ai vu ceci à la télévision. Non, d'accord. Hein? Tu n'as pas pitié de moi. Je souffre comme ça. T'as beaucoup d'argent et tu veux pas m'aider. Toi-même, t'es pas un bon époux. Hein? À cause de ça, mon mari n'est pas bien. Commence à salir l'image de nos maris, hein, auprès des autres. Il est comme ceci, il est comme cela. Allahu Akbar. Hein? Vous pensez que les femmes qui ont eu accès au paradis, elles avaient tout ce qu'elles avaient dans la dunya? Hein? Vous pensez? Asma bint Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anha. La fille d'Abu Bakr, son père était riche, il a affranchi combien d'esclaves? Combien d'esclaves il a affranchi? Elle était mariée à Zubayr, radiyallahu ta'ala anha. Mais quelle difficulté elle endurait? Allahu Akbar. Combien de fois elle souffrait? Il est rapporté qu'il n'avait rien. Ils n'avaient rien, ils étaient très pauvres. Très pauvres. Allahu Akbar. Elle dit souvent, elle marchait près de 8 km pour aller chercher du blé. Elle mettait sur sa tête, elle marche encore pour revenir. Et elle est obligée de mouler avec sa main, ou bien elle va donner à des gens pour le faire, pour espérer préparer du pain et le manger avec son mari. Allahu Akbar. Vous vous rendez compte? 8 km par jour, elle marche pour avoir son repas de midi. Allahu Akbar. Tellement c'était difficile pour eux. Tellement elles patientaient. Mais nous aujourd'hui, on veut que le mariage soit comme un conte de fées. Hein? Là, il n'y a pas, doit pas avoir de difficulté. Tout doit être, mashallah. Dès que l'homme il bouge un peu, toi là, je savais, oh, tu m'as trompé. Si j'avais vu ton vrai visage là, je n'allais pas me marier. Tu as fait semblant d'être quelqu'un de bien, mais en réalité, c'est faux. Allahu Akbar. Non, ne soyez pas comme ça. Non. Faites de la sunna de Nabi votre code de vie. Et dans la sunna, on ne voit pas les épreuves du mariage comme un signe qui montre qu'on a échoué ou qu'on a fait le mauvais choix. Non, non, non. Ce n'est pas parce que tu es éprouvé dans ton mariage que tu n'as pas fait le bon choix. Non, c'est faux. C'est faux. Ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à avoir à manger ou bien tu es malade, ton mari n'arrive pas à payer tes médicaments, que tu n'as pas fait le bon choix. Wallahi, c'est faux. Ne jugez pas comme ça. C'est faux, archi faux. Ne vivez pas comme ceux-là qui sont en Occident. Non, eux, ils divorcent pour ça. Non, 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 chez nous, on ne divorce pas parce qu'on a faim. Non, si c'était le cas, Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, elle aurait divorcé du prophète depuis longtemps. Parce qu'elle dit, radiyallahu ta'ala anha, elle dit dans la demeure du prophète, le prophète, alayhi salatu wassalam, toi, ton mari, souvent il ment. Souvent il manque à la salah. Allah seul sait la vie qu'il mène. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'a jamais menti. Il ne s'est jamais détourné d'Allah. Il n'a jamais manqué à une seule salah. Mais Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, elle dit dans notre mariage, elle dit lorsqu'on était marié femme, donc quand on était marié, elle dit souvent on peut passer un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, cinq jours, six jours, une semaine, deux semaines, trois semaines, elle dit quatre semaines, elle dit une lune entière, un mois complet, sans qu'on ait la possibilité de faire cuire une nourriture dans notre maison pour manger. Un mois. Et les sahabas, ils étaient étonnés. Ils disent, mais vous mangez quoi? Ils disent, souvent on peut taper un mois, on ne vit que des tamars. Ce que vous prenez pour rompre le jeûne là. Il dit, si c'est un, il coupe, il me donne la moitié, je mange. Il me donne deux, moi je prends un. S'il y a un peu d'eau, un peu de lait, on met dessus. On peut taper un mois, on ne se nourrit que de tamars. On ne peut pas faire cuire une seule nourriture à la maison. Tellement Allah, il nous éprouve. Hein? On dira que elle sans mariage, c'est un échec. C'est un échec. Allahu Akbar. Mais pourquoi? Parce qu'elle a compris que c'est pas lié. Wallahi, c'est pas lié. Wallahi, c'est pas lié. Vous savez, je vais mettre une petite parenthèse pour parler un peu de ça. Parce que on peut pas parler d'éducation spirituelle sans cela. Il faut que nos sœurs qui sont mariées comprennent. Wallahi, l'adhim. Vous savez, Nabi Idi alayhi salatu salam,
Il dit Allah, il éprouve celui à qui il veut du bien. Ça, nous tous, on connaît ce hadith. Allahu Akbar. Allah éprouve celui à qui il veut du bien. Et on a beaucoup entendu cette parole. Moi, comme on dit, Allah, il donne la compréhension à qui il veut, vraiment, qu'Allah, il fasse qu'on comprenne. Parce qu'on lit beaucoup, mais on ne comprend rien. Vous êtes des femmes, très souvent, les femmes aiment beaucoup plus que les hommes. Donc, je vais prendre l'exemple, vous allez comprendre. L'exemple de l'amour. Elles sont vite amoureuses, nos sœurs. Je l'aime à mourir. C'est l'homme de ma vie, et puis allez, on y va, je ne peux plus dormir. Je prends l'exemple. Vous savez, quand une sœur, elle est amoureuse, hein, quand on aime, parce qu'on sait de quoi on parle. Non, beaucoup de jeunes, l'amour, c'est machallah, c'est ça, alhamdoulilah. Quand vous aimez, quelle est la plus belle chose que vous voulez que l'être aimé il vous donne? Parmi les plus belles choses qu'on veut recevoir de l'être aimé, lorsqu'on aime une personne, on veut que cette personne-là nous démontre jusqu'à quel point il tient à nous. C'est vrai ou c'est faux? Je ne suis pas femme, mais là, j'ai une femme à la maison. Je sais comment ça fonctionne. Hein? C'est vrai, non? Tu aimes une personne, tu veux qu'il te démontre le degré de son amour. Ce gars-là, je l'aime, mais est-ce qu'il m'aime même? Qui me démontre? Est-ce qu'il tient à moi? Non, quand tu es rassuré maintenant, tu dis, bon, il n'y a pas de souci, je peux t'épouser. Non, mais quand tu n'es pas rassuré, lui, il va me laisser en cours de chemin, donc c'est bon. Non. Quand on aime, on veut que l'être aimé nous démontre hein, jusqu'à quel point il nous aime. N'est-ce pas? C'est vrai ou c'est faux? D'accord. Le prophète, il dit, Allah, il éprouve celui à qui il veut du bien, celui qui l'aime. Regardez comme ce message, ce hadith, il est beau. Allahu Akbar. C'est comme si Nabi est en train de dire, parce qu'Allah, il t'aime, Allah, il veut que tu lui démontres le degré de ton amour pour lui. Mais comment tu vas démontrer à Allah que tu tiens à lui, que tu l'aimes? Très souvent, l'amour ne se démontre pas dans la facilité. Parce que c'est facile, quand il y a la facilité, tout le monde peut exprimer son amour dans la facilité. Mais le plus souvent, l'amour se démontre le plus souvent dans la difficulté. Par exemple, j'ai connu des moments de galère avec un homme. Il était là. Hein? Masha'Allah. Allah, il a facilité aujourd'hui, il travaille. On s'est marié, il est là. Et alhamdoulilah, après Allah, il nous éprouve encore. Ça ne va pas, c'est dur. Je suis éprouvé par une maladie. Il est là, il est à mes petits soins. C'est difficile, mais dans la difficulté, il est là. À un moment donné, je me dis, cet homme, il tient à moi. Parce que dans la difficulté, il ne m'a pas tourné le dos. C'est pas vrai? Non. Notre relation avec Allah, c'est la même chose. Allah, quand il t'aime, il crée la difficulté. Pour que dans la difficulté, tu montres à Allah le degré de l'amour que tu as pour lui. Vous comprenez maintenant? Ça veut dire que quand Allah aime une femme dans le mariage, Allah, il te crée des situations difficiles. Pour que tu démontres à Allah la valeur que tu lui donnes et la confiance que tu as placée en lui en t'attachant à Allah. En fait, l'épreuve, c'est un moyen qu'Allah crée pour que chacun d'entre nous démontre à Allah l'amour ou la valeur qu'il a donnée à Allah. C'est tout. En fait, l'épreuve, si vous voulez, voyez les épreuves de la vie comme une mise à l'épreuve pour tester votre amour pour Allah. C'est tout. Elle dit qu'elle a accepté pour Allah. Elle dit qu'elle a accepté à cause de moi, Allah. On lui a demandé à la mosquée, tu le maries à cause d'Allah? Tu acceptes? Elle dit oui à cause d'Allah. Je veux voir dans le mariage, est-ce qu'elle a vraiment accepté à cause de moi? Naam! Je vais faire en sorte que cet homme, il va changer un peu. Il va commencer à l'insulter, il va commencer à la rabaisser. Je vais lui arracher son travail, elle n'aura plus à manger. Elle dit qu'elle a accepté à cause de moi. Je verrai, est-ce qu'elle était sincère ou c'était juste de l'hypocrisie? En réalité, l'épreuve dans le mariage n'est pas un signe qu'Allah nous déteste. Mais au contraire, c'est un signe qui montre qu'Allah nous aime. Il nous aime tellement qu'il nous donne l'occasion de lui démontrer notre amour et la valeur qu'on a donnée à Allah. Voilà comment vous devez comprendre les épreuves dans le mariage. Wallahi, tout le monde sera éprouvé. Les épreuves, c'est tout le monde. Et si vous avez compris ça, n'allez pas dire à votre mari stop ou merde, parce que bon, je n'arrive pas à manger. Non, 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 vous allez patienter et faites droit. Et Allah, il va changer la situation. Et on ne peut accepter une telle patience que lorsqu'on a compris et accepté la sunna de Nabi. Parce que dans la sunna, vous allez voir des femmes comme vous qui ont souffert plus que vous, mais qui ont patienté.
et qui ont persévéré et qui ont réussi. Wallahi l'adhim. Voilà pourquoi, deuxième conseil, acceptez la sunna de Nabi dans votre vie. Naam, je le dis ouvertement. Acceptez la sunna de Nabi. Dans la sunna de Nabi, on ne passe pas ses journées à critiquer, à parler d'autrui. Mais ça, c'est une sunna. C'est une sunna. Ah, la voisine d'à côté, là, non, je ne t'ai pas dit. Allahu Akbar. C'est comme ça, non? Tu sais ce qu'elle a fait hier? On a le dossier de tout le monde. Hein? Masha'Allah, nous sommes devenus des enquêteurs, non? Ça. On enquête sur la vie privée des gens. Ça, ce n'est pas la sunna. La sunna nous demande de nous éloigner de la médisance. Dans la sunna, on ne s'occupe pas de la vie du voisin. Non, non, non. Dans la sunna, on ne s'occupe pas, on ne fouille pas dans la vie des gens pour chercher leurs défauts. Tant que vous menez une vie comme ça, vous ne serez jamais reformé spirituellement comme il se doit. Parce que la médisance, elle va détruire votre relation avec Allah. Point barre. Plus tu médis, plus tu exposes les défauts des gens, plus tu fouilles dans la vie des gens, plus tu t'éloignes d'Allah. Tu te fais du mal à toi-même. Parce qu'Allah, il ne peut pas se rapprocher d'une personne qui a fait de la médisance, ses actions au quotidien. Ce n'est pas possible. Donc, revenez vers la sunna. Dans la sunna, on ne médit pas. On ne ment pas. On ne ment même pas à son mari. Même les juridiens, là, sur la popote, on ne fait pas dans la sunna. Ah ben oui, avant de faire les juridiens, on demande d'abord. Ah mon chéri, tu m'as donné 3000 francs pour le marché. J'ai fini. Il reste 300. Voilà la monnaie. Il m'a dit, Inch'Allah, tu peux garder. Quand tu gardes, il y a la baraka. Mais quand toi, tu dis lui la même, non, si je lui donne, il ne va pas me donner. Tu dis, c'est fini. Ça, ce n'est pas la sunna. Il faut avoir pitié du mari. Oui, ayez pitié de lui. Même si lui n'a pas pitié de vous, ayez pitié de lui. Ah oui, Inam. C'est comme ça, la sunna. Il ne faut, pas mentir. Il ne faut pas mentir. Pas à son époux. Pas à son époux. Ne mentez jamais à votre mari, pour ceux qui sont mariés. Si vous voulez avoir une bonne relation avec Allah, ne mentez pas à votre époux. Dites-lui tout, soyez vrai avec lui si vous voulez. Mais ne soyez pas hypocrite. Ne mentez pas à votre époux. Et pour celles qui sont mariées, ou pour celles qui vont se marier bientôt, si vous voulez avoir une bonne éducation spirituelle, honorez vos époux. Honorez vos époux. Ne les rabaissez jamais. Jamais. Wallahi l'adhim. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte de la valeur de l'homme ou de l'époux en islam, mais faites une comparaison avec la valeur que vous donnez à vos parents. Vous verrez la valeur qu'Allah y donne à l'époux. En islam, on dit quand tu n'es pas encore marié, ceux qui ont plus de droits sur ta personne, ce sont tes parents. Mais une fois que tu te maries, on dit ton mari a plus de droits sur ta personne que tes propres parents. Ça dit, tu es à la maison, ton mari est sorti, il dit, je ne vais pas te voir dehors. Si ta mère, elle t'appelle, viens, j'ai besoin de toi. Si tu sors de la maison sans l'accord de ton mari, Allah, il se met en colère contre toi. Parce que tu as désobéi. Pour nous montrer la valeur de l'obéissance de la femme vis-à-vis de l'homme. Naam, je vais pas aller trop, je vais vous citer une histoire, vous allez voir beaucoup de choses. Il est rapporté que cet ulama a cité cette histoire, d'autres ont dit que c'est une histoire d'arif. Mais je le cite pour que vous voyez un peu combien de fois c'est important. Hein? Il y avait à cette époque-là une femme qui était mariée. Son mari, vraiment, il était un peu difficile. Et cette femme, on a annoncé que sa mère était malade. Elle a dit à son mari, « Ah, on vient de m'appeler, on me dit que ma mère, elle est malade. Est-ce que tu m'autorises à aller lui rendre visite ?» Le mari, il aurait pu dire, « Vas-y, c'est ta mère. » Mais il s'est tué, il n'a rien dit, il est sorti. La femme, elle a été voir le prophète, alayhi salatu wassalam. Elle dit, « Ya Nabi Allah, alayhi salatu wassalam, on m'a annoncé que ma mère, elle est malade. J'ai informé mon époux. Mais il n'a rien dit. Il ne m'a pas dit oui, il ne m'a pas dit reste. Il n'a rien dit. Qu'est-ce que je fais ?» Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, « S'il ne t'a rien dit, alors ne bouge pas, reste chez toi. » Elle est restée. Ils ont envoyé une autre personne, lui dit, « Ah, la maladie de maman s'est aggravée, hein. Faut que tu viennes. » Elle a dit à son mari, « Dis, la maladie s'est aggravée, faut que je parte. » Le monsieur, il a bien entendu, mais il n'a rien dit, il est parti. Elle a été voir encore le prophète, salam, il dit, « S'il n'a rien dit, reste à la maison, tu patientes. » Ils ont envoyé quelqu'un, lui dit que, « Ah, maman n'a pas pu tenir, maman est décédée. » Naam.
Est-ce que tu peux venir? Elle dit, ok, je ferai mon effort. Elle en parlait à son mari au retour. Le mari, il a bien entendu la nouvelle. Il a dit, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mais il n'a rien dit. Elle a été voir le prophète. Ah, écoutez, elle a été voir le prophète, alayhi salat wa salam. Le prophète lui a dit, s'il n'a rien dit, reste à la maison. Elle est restée. Ils envoient quelqu'un, lui dit, ah, on fera l'enterrement tel jour, telle heure. Tu ne pourras pas venir? Elle a dit au mari, on va l'enterrer aujourd'hui, voilà, voilà. Et il n'a rien dit. Allahu Akbar. Nabi dit, s'il n'a rien dit, reste à la maison. Allahu Akbar. C'était dur, mais elle a obéi, elle est restée. Elle est restée, triste, mais elle est restée. Mais des temps après, vous allez voir que Allah il nous met à l'épreuve. Mais quand on fait ce qu'Allah il attend de nous, si on suit la sunna, on sort toujours gagnant. La sunna, on sort toujours gagnant. Toujours. Toujours. On dit femme émancipée, vous allez beau être émancipée, ne tournez jamais le dos à la sunna de Nabi. Jamais. Wallah, il a raté. Jamais. Jamais. Parce que Nabi, là où il vous demande de vous arrêter, arrêtez-vous là. Ne tournez jamais le dos. N'allez jamais au-delà. Elle est restée là, patiente. Mais de toi après, il a rapporté qu'Allah, Jalla wa Ala, il a envoyé Jibril alayhi salam, fait une annonce au prophète alayhi salatu salam. Tel qu'on relate dans cette histoire. Et Jibril alayhi salam, il a dit à Nabi alayhi salatu salam, il dit, ah, Allah, il m'essaie de te dire qu'il y a une femme qui est venue te questionner à propos de son mari, pour le cas de sa mère qui est malade et tout et qui est décédée. Et à chaque fois, son mari n'a rien dit, tu lui as demandé de rester, et malgré elle, elle est restée à la maison. Naam. Allah m'a donné une nouvelle pour cette femme, je suis venu te donner la nouvelle. Et toi, tu lui diras. An-Nabi dit Naam. Et Jibril alayhi salam, il dit, Allah me charge de te dire que la mère de cette femme, dans sa vie qu'elle a menée, elle a commis tellement de désordres ou tellement de haram, Allah il était mécontent d'elle. Et à travers ces haram, elle devait aller en enfer. Mais, lorsque son mari n'a pas répondu et que la fille elle est restée, par l'obéissance de la fille vis-à-vis de son mari, Allah était tellement satisfait du comportement de sa fille dans le mariage, du fait qu'elle a obéi à son mari. Il dit, Allah, mes chers, de te dire que tu dises à cette fille-là qu'à cause de son comportement, de son obéissance, Allah a pardonné tous les péchés de sa mère et Allah l'introduira au paradis. Elle a perdu ou elle a gagné? Si elle devait faire ce qu'elle voulait, elle serait perdante. C'est ça, non? Ah, femme émancipée. C'est la loi qui a dit, mon chéri, tout ça. C'est vrai, t'es mon mari, mais je suis pas ton esclave, non. Je m'en vais. On oublie la sunna. C'est comme ça, on perd. Et c'est pas bon. Mais elle est restée attachée à la sunna. Elle a réussi. Vous savez, je vous dis quelque chose. Le mariage, il est tellement important en islam que Nabi Dar alayhi salatu salam, souvent par le comportement de la fille dans le mariage, la mère peut être honorée le jour de la résurrection. Oui, Naam. Oui. Parce qu'il est dit, au Al-Qiyama, il y a des femmes qui seront honorées à cause de l'état de leur fille. L'état de leur fille, d'autres ont d'autres, la monde d'Abi a dit, avant le mariage. Il dit, si Allah t'a donné une femme, c'est-à-dire une femme qui a eu deux enfants, ou dans ses enfants, il y a eu deux filles. Et les deux filles ont gardé, c'est-à-dire ont préservé leur chasteté. Jusqu'au mariage, il est dit dans ce hadith, on dit, au Al-Qiyama, tellement Allah sera satisfait de ces deux filles qui sont restées chastes jusqu'au mariage, il dit, Allah appellera la mère et Allah il dira, je suis tellement satisfait de ces deux filles-là qui sont tes enfants, qu'aujourd'hui, moi Allah, je t'accorde ma miséricorde, je te pardonne et je t'introduis au paradis. Si avant le mariage, la mère peut bénéficier de la miséricorde d'Allah à travers la chasteté de sa fille, que dit du comportement de celle-ci dans le mariage? Hein? Qu'est-ce que cela apportera? Allah Akbar. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vous donne ces conseils. Vous voulez avoir une bonne relation avec Allah, valorisez vos époux pour celles qui sont mariées. Souvent, vous pouvez tomber sur un homme qui ne comprend rien du tout. Oui, ça peut arriver. Il ne comprend rien. Tu ne sais pas ce qui se passe, mais tout ce que tu dis là, lui, pardon. Va à gauche, ça dit, c'est autre chose. Souvent, ça peut arriver. Souvent, même dans le mariage, vous avez du mal à faire vos actions d'adoration. Ça peut arriver. Oui, souvent, l'homme, il te fatigue tellement, même pour avoir le temps pour faire d'orakarat, c'est difficile. Hein? À chaque fois, quand tu veux prier, tellement tu travailles, tu fais ceci ou cela, tu es fatigué. Donc souvent, il y a de ceux qui vont se dire, ah,
Je me suis marié, mais je ne peux même pas faire des prières sur rogatoire et tout ça. Est-ce que je vais réussir? Ne laissez pas le shaitan vous distraire. Entre l'obéissance au mari et faire plus de 1000 raka'at par jour, celle qui obéit à son mari se rapprochera plus d'Allah que celle qui a désobéi à son mari et qui a accompli 1000 raka'at. Naam, ça je vous le dis. Ça je vous le dis. Donc je vous dis ouvertement, attachez-vous au respect de l'époux. Donc, deuxième conseil, mettez en pratique et attachez-vous à la sunna de Nabi alayhi salatu wassalam. Ça va changer beaucoup de choses dans votre vie. Oui, parmi les principes de la sunna encore, le Seigneur n'aime pas entendre ça, mais il faut que j'en parle. Peut-être que vous allez me chasser, mais il faut que j'en parle. Les principes de la sunna, la femme musulmane doit accepter la polygamie. Oui, il faut que j'en parle. Ils vont dire, ah, les oustas, là, ils ne peuvent pas faire une conférence sans parler de ça. Ça n'a rien à voir avec moi. Oui, il faut l'accepter. Il y a des sœurs, avant de les marier, elles te disent de leur faire une promesse. Allahu Akbar. Elle dit, il faut me promettre que je serai ta seule épouse. Tu ne vas pas prendre une autre épouse. Allahu Akbar. Et le frère aussi, bon, lui, il est là, il fait quoi? Hein? Ils ont posé la question à nos ulama au Shuyuk. Si une seule femme te dit, promets-moi que je serai ta seule épouse. Hein? Sinon, je n'accepte pas. Qu'est-ce que tu fais? La sunna, on dit, tu dis oui, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la sunna, oui, tu dis oui, il n'y a pas de problème. Tu acceptes de l'épouser. Et le jour où tu sentiras le besoin d'avoir une deuxième épouse, tu te maries. Oui, ce n'est pas une trahison. Pourquoi on dit que ce n'est pas une trahison? Non, ce n'est pas une trahison. J'explique. Je vous explique. Non, ce n'est pas une trahison. Pourquoi? Parce que dans le dîn, personne ne doit rendre haram ce qu'Allah a rendu halal. Personne. Ça, c'est clair. Personne. Et le fait de promettre cela, cela veut dire que tu acceptes que ta femme te rende haram quelque chose qu'Allah t'a rendu halal. Et le fait de l'accepter, les savants ils disent, c'est une désobéissance. Ça c'est clair. Le fait de dire non aussi, elle dira ok, je ne t'épouse pas. Ça va créer un mal plus grand peut-être. Donc les ulama ils disent, il faut choisir le moindre mal. Le moindre mal c'est de dire oui. Et après elle va comprendre Inch'Allah. Mais pourquoi je parle de cela? Vous savez, je vous dis une chose. Acceptez la polygamie. Pourquoi je parle de ça? Pourquoi je dis que c'est important dans l'éducation spirituelle? Vous allez dire, mais Oustaz, même, il dit quoi exactement? Écoutez-moi très bien. Pourquoi je dis que c'est important? Dans le cœur, on peut dire à notre mari, ou bien on peut dire à qui qu'on veut, c'est-à-dire à qui que ce soit, moi, vraiment, je souhaiterais, c'est mon désir, je préfère, en tout cas, je veux, c'est ce que je veux, hein, que être la seule femme de mon mari. Vraiment, c'est ce que j'aurais souhaité. Ça, c'est ton désir que tu manifestes. Il n'y a pas de problème. C'est ce que tu veux. Non, ok, il n'y a pas de problème. Mais une fois que dans le cœur, tu détestes la polygamie, ou tu t'opposes à la polygamie, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Ils ont posé la question à Abdallah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala. Écoutez très bien. On dit une personne qui déteste un ordre d'Allah, hein, du plus profond de son être. Tellement je déteste la polygamie, je déteste même les hommes qui sont polygames. Hein? Dès que ce dégoût-là s'installe dans le cœur, ou bien je déteste cela, ils ont posé la question à Ibn Abbas. On dit, qu'en est-il d'un homme qui déteste une action qu'Allah a recommandée? Ou bien un croyant, une croyante qui déteste quelque chose qu'Allah a prescrit. Abdallah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala, il a répondu, il dit, si un croyant, écoutez bien, si un croyant ne déteste pas un ordre d'Allah, mais il préfère une autre loi à la loi d'Allah, mais il ne déteste pas, il n'a pas rejeté, il dit, celui-là devient un croyant pervers. Il devient pervers, c'est-à-dire une femme musulmane, elle ne déteste pas. Mais elle préfère la loi qui dit qu'un homme doit avoir une femme. Ce n'est pas moi qui ai dit. Ibn Abbas dit, si ce sentiment-là s'installe dans le cœur, ça veut dire qu'elle préfère la loi apportée par les hommes au détriment de la loi d'Allah. Il dit ça, ça fait d'elle
une femme musulmane qui est tombée dans la perversité. Maintenant, il dit, mais si jamais dans son cœur, elle est rassurée et convaincue que la loi que les hommes ont apportée là, c'est mieux que la loi d'Allah. Et elle est convaincue que ce que les hommes ont dit, un homme doit avoir une femme. Non seulement c'est mieux, mais ce qu'Allah il a dit est mauvais et elle déteste. Il dit, écoutez très bien, il dit cette femme-là, elle est sortie de l'islam. Allah ne la considère plus comme une femme croyante. J'ai pas dit, il dit, Allah ne la considère plus comme une femme croyante. Pourquoi? Parce que, tout simplement, elle déteste, elle a rejeté ou elle a détesté une prescription d'Allah. Voilà pourquoi éviter cela. Parce qu'il y a des femmes, quand elles se marient, leur plus gros problème, c'est ça. Oui, elle prie le matin, elle pense à ça. Elle se couche le soir, elle pense à ça. Oui, toute sa vie. Mais si toi, tu passes tout ton temps à penser à ça, quel temps tu auras pour faire tes prières correctement et pour améliorer ta relation avec Allah, Jalla wa'ala. Au lieu de te concentrer sur ta relation avec Allah, est-ce qu'Allah il est avec moi? Est-ce qu'Allah il m'aime? Est-ce qu'Allah m'a accepté? Est-ce qu'Allah m'a pardonné? Tout ton souci, cet homme-là, faudrait pas qu'il passe dans mon dos pour prendre une deuxième femme. Comment tu vas réussir? Si ça, c'est ta priorité. Naam! Voilà pourquoi ne faites pas fixation sur ça. Non, 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 moi je vous le dis ouvertement. Ne soyez pas absorbé par ça. Je suis avec un homme, tous les jours il ne met pas d'une deuxième femme. Ça là, c'est pas important. Le plus important, c'est entre moi et Allah. C'est tout. Si Allah il est avec moi et que j'ai une bonne relation avec Allah, même si la deuxième épouse qui viendra, c'est une peste ou bien c'est une personne qui va, ça dit, difficile à vivre. Mais si Allah il est avec moi, moi je ne souffrirai jamais dans mon mariage. Et elle ne pourra pas m'atteindre. Wallah il a radim. Mais si ma relation avec Allah est mauvaise, je pense tellement à ça que je suis incapable de soigner ma relation avec Allah, j'ai tout perdu. Wallah il a radim. Wallah, le bonheur dans le mariage, c'est Allah qui le donne. Ce n'est pas lié à une personne à côté de toi. Le problème de nos sœurs, elles sont tellement, le shaitan vous absorbe tellement avec ça, qu'on a oublié le plus important qui est notre relation avec Allah. Hein? An-Nabi dit, alayhi salatu salam, il dit, si tout le monde entier se réunissait pour te faire un mal, et qu'Allah il est avec toi, et qu'Allah il dit que ce mal ne t'atteindra pas, ce mal ne t'atteindra pas. C'est tout court. Il dit qu'il veut une deuxième femme. Ok, il peut l'épouser. Mais moi, j'ai compris que mon bonheur, c'est avec Allah. C'est Allah qui m'a rendue heureuse dans mon mariage. C'est Allah qui a fait qu'il m'a respecté jusqu'à aujourd'hui. Si j'ai une bonne relation avec Allah, le même Allah est capable de me rendre encore plus heureuse, même si cette femme, elle vient. Et Allah, il me soutiendra et il me protégera. C'est tout. Vous savez, il y a une parole de Nabi, alayhi salatu salam. N'oubliez jamais cela dans votre vie au quotidien. Le prophète, il dit, le fils d'Adam n'est victime que du mal de ce qu'il craint. Le fils d'Adam, l'homme, sera victime du mal de ce qu'il craint. Lorsque l'homme, il a peur d'une chose, et qu'Allah voit que dans ton cœur, tu as peur d'une chose, Allah, il t'expose à cette chose. Pourquoi? Parce que le cœur ne doit craindre qu'Allah seul. Celui qui est avec Allah, il doit avoir peur que d'Allah seul. Et celui qui ne craint qu'Allah seul, peu importe ce qui est en face de lui, Allah, il te préserve. Le prophète, il dit, si Allah, il voit que dans ton cœur, au lieu de craindre Allah, tu n'as pas peur de mentir, tu n'as pas peur de rater ta prière, tu ne sais même pas lire le Coran, tu n'as pas peur de ça. Tu n'as pas peur, Allahu Akbar, des conséquences de la médisance, mais tu as peur de la polygamie. Hein? Oui, oui, c'est ça. Tu n'as pas peur de ça. J'ai prié en retard, tu ne verses pas une goutte de larme. Hein? Tu me suis levé en retard, j'ai raté ma prière, tu ne verses pas une goutte de larme. Je ne sais pas lire le Coran, tu ne verses pas une goutte de larme. Tu n'as pas peur de ta relation avec Allah. Tu vis dans le haram, tu passes en toi à médire des gens. Tu n'as pas peur de ça. Allah, il est en colère contre moi, ça, ça ne te fait pas peur. Mais ta plus grande crainte, c'est que ton époux, il prenne une deuxième femme. Le prophète, il dit, si Allah, il voit que dans ton cœur, tu as plus peur d'une autre chose au détriment d'Allah, il dit, bon gré, mal gré, Allah va t'exposer à cette chose. Bon gré, mal gré. Pourquoi? Parce que c'est Allah que tu devais craindre. C'est tout. Et nous aujourd'hui, où est passé notre crainte d'Allah, Jalla wa'ala? Pensez. Nos sœurs ont plus peur de quoi? Hein? La polygamie? Ou bien rater une salat? Hein? Allahu Akbar. Qu'est-ce qui nous fait pleurer aujourd'hui?
C'est quoi notre souci? Hein? Allahu Akbar. Voilà pourquoi les savants ils disent que la réussite dans le mariage est liée à quoi? À votre relation avec Allah. C'est tout. Et tout ce qui peut entacher ça, vous absorber, éloignez-vous de ça. Et souvent la crainte de la polygamie peut nous absorber tellement qu'on oublie souvent le plus important. Wallahi l'azim. Et éloignez-vous de cela. Attachez-vous à Allah et Inch'Allah vous réussirez. Le troisième conseil que j'ai à donner dans l'éducation spirituelle de la femme musulmane, c'est, je demande à nos sœurs, c'est l'attachement au Coran. J'insiste sur ça. Attachez-vous au Coran. Attachez-vous au Coran. Si vous ne savez pas lire, apprenez. Si vous savez déjà lire, prenez la langue arabe. C'est très important. Si ce sera difficile, à chaque fois que vous arrivez à un endroit, achetez des bouquins où on traduit. C'est vrai, ce n'est pas la bonne traduction, mais questionnez beaucoup des gens, des savants. J'ai lu tel verset, ceci, comment comprendre? Écoutez beaucoup de tafsir pour comprendre le Coran. Mais attachez-vous au Coran. Attachez-vous au Coran. Wallahi l'azim. Il n'y a pas meilleur moyen pour s'éduquer spirituellement, pour avoir une bonne relation avec Allah, si ce n'est qu'en s'attachant au Coran. Wallahi. Aujourd'hui, nos sœurs, elles veulent avoir une bonne relation avec Allah. Même surat al-Fatiha, elles ne savent pas réciter correctement. Comment c'est faisable? Hein? Je veux qu'Allah y m'aime. Qu'Allah y soit avec moi. Je veux qu'Allah y les osse mes doigts. Même ma prière même. Surat al-Fatiha. Tellement j'ai négligé le Coran. Tellement j'ai tourné le dos au Coran. Tellement c'est plus important. Même surat al-Fatiha, on ne peut pas le réciter correctement. Hein? Allahu Akbar. Comment on aura une bonne relation avec Allah? On se tient debout devant Allah, on dit Allahu Akbar. On récite surat al-Fatiha avec des erreurs. On va évoquer Allah au ruku avec des erreurs. Hein? On se relève avec des erreurs. Allahu Akbar. Subhanallah. On se prosterne, dans l'évocation, il y a des erreurs. Toute notre salat est entachée d'erreurs. Mais en plus de cela, tout ce qu'on va réciter dans la prière là, on ne sait même pas ce que ça veut dire. On fait juste tac, 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 tac. On récite, salam alaikum. C'est fini. Pourquoi? Parce qu'on a tourné le dos au Coran. Wallahi, c'est un constat triste. Sur 100 femmes, il y a combien qui savent lire le Coran? Correctement. Correctement. Je ne vais pas aller loin, vous savez, si vous n'apprenez pas, que vous ne vous attachez pas au Coran, ça va entacher votre prière, ça va tout saccager dans votre vie. Si votre prière est entachée, vous allez tout perdre, tout perdre. Wallahi l'azim. Parce qu'il y a des erreurs quand on commet dans la récitation, ce sont des erreurs graves. Il y a des erreurs acceptables, mais il y a des erreurs, quand tu les commets, on t'inscrit des péchés pour ça. Si tu as la possibilité d'apprendre que tu ne le fais pas, on t'inscrit des péchés pour ça. Parce que ça déforme le sens du verset. Tu ne sais pas, tu ne peux pas apprendre, ok. Mais tu as la possibilité d'apprendre. Tu refuses par nonchalance. Tu continues de déformer le verset. On t'inscrit des péchés pour ça. Oui. Par exemple, dans Surat al-Fatiha, il y a une erreur que commettait beaucoup. On entend beaucoup les gens dire « Maliki yaoumiddin ». C'est vrai, non? C'est bien lu ou c'est pas mal, c'est mal lu? « Maliki yaoumiddin ». C'est bien lu, non? Normalement, hein, vous ceux qui écoutent, ils diront, il n'y a pas de problème. Hein? « Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahmanir Rahim » et puis « Maliki yaoumiddin ». D'autres diront, c'est bien. C'est comme ça que beaucoup de personnes lisent. En écoutant, vous ne sentez pas d'erreur, non? On dirait qu'il a une belle voix, il lit bien. Mais en réalité, le fait de dire « Maliki yaoumiddin », ce n'est pas une petite erreur. Hein. C'est une erreur grave. Je vais expliquer. C'est pas Maliki yaoumiddin. C'est pas din. C'est middin. La langue là, elle colle le palais. Vous savez en arabe, il y a ce qu'on appelle al-makharij al-huruf. Chaque lettre a des points de sortie. Il y a des lettres qui doivent sortir au même endroit. Si la lettre ne sort pas à cet endroit, ça déforme la lettre. Tu n'es plus en train de prononcer cette lettre-là, mais autre chose. Le « da », la lettre « da » en arabe, si vous voulez. Le « da » là, avec le « ta ». Les deux lettres ont le même « makharaj ». Dans la langue arabe, ces deux lettres-là sortent au même endroit. Quand vous dites « ta », là où on met la langue pour dire « ta », la langue est collée au-dessus « ta ».
C'est dans le même endroit que vous placez votre langue pour dire « di ». Maliki yaoumiddin, middin, et non, middin. Quand vous dites middin, vous décalez le da, c'est-à-dire vous l'enlevez dans son makharaj. Et vous ajoutez ce qu'on appelle, un principe qu'on appelle as-safir. Et as-safir, le sifflement là, il n'est pas valable pour le da, il est valable pour le za. Et ici, c'est comme quelqu'un, au lieu de dire papa, il a bien prononcé le pa, mais le p là, il a remplacé ça par une autre lettre, par un f. Ça donne quoi? Papa. Au lieu de dire papa. Il y a des gens qui vont prier 10 ans en disant papa au lieu de dire papa. Quand vous relevez de l'inclinaison, par exemple, je prends des exemples banals, vous sachez que si vous ne vous attachez pas au Coran, vous n'aurez jamais une bonne relation avec Allah. Quand on se relève, on entend les gens qui disent Samiyallahu liman hamida. Tellement on a entendu, moi tellement j'entends ça, souvent j'ai envie de boucher les oreilles. Samiyallahu liman hamida. Samiyallah. Samiyallah. Ça, c'est une catastrophe. Oui, Samiyallah. Samiyallah. Depuis quand? Allahu Akbar. C'est pas un ya. C'est un aïn. C'est pas ya. On ne dit pas Samiyallah. C'est as-sami'. Le fait d'entendre, ça finit par un aïn. Sami'Allah et non Sami'Allah. Mais il y a combien qui vont prier pendant 40 ans qui vont dire Sami'Allah? Il y en a combien? Hein? Il y en a combien? Oui, Naam. Si même la récitation de Surat al-Fatiha, elle n'est pas correcte, comment notre prière sera parfaite? De vous à moi. Comment? Et on prie, on ne sait même pas ce qu'on dit. Tu prends une femme musulmane, elle fait sa prière. Si un chrétien à côté, il lui demande, vraiment, dis-moi, dans votre prière, là, vous dites quoi? Traduis-moi un peu. Elle dira, ah, on récite seulement, mais moi, je ne sais pas. Oui, elle ne sait pas. Toute une vie, elle va dire ce qu'elle veut, elle ne comprend rien, elle dit qu'elle est en train de prier. Hein? Si la prière n'est pas parfaite, comment on va s'éduquer dans notre relation avec Allah? Pour que la prière soit parfaite, première des choses, il faut apprendre à lire le Coran. C'est le minimum. Mais il y a combien de sœurs? On préfère passer des heures devant la télévision, regarder des films bidons, que de donner 30 minutes pour apprendre à lire le Coran. Hein? Subhanallah. On ne peut même pas avoir un peu de temps, 10 minutes, 20 minutes ou 30 minutes pour le Coran. Mais on est prêt à regarder la télévision pendant des heures. Hein? On bâcle la prière. C'est rien récité dans la prière. Ça vous coûte quoi de donner du temps pour apprendre à lire le Coran? Hein? Le livre d'Allah, c'est le Coran que vous avez rabaissé de la sorte? Hein? Le Coran, la parole d'Allah, Jalla wa'ala, c'est le Coran que vous avez rabaissé de la sorte? On n'arrive même pas à donner 15 minutes pour le Coran. D'autres même peuvent passer toute une journée sans lire le Coran. C'est dans la bibliothèque, c'est rempli de poussière. Hein? C'est comme ça que nous, on traite le Coran. Allahu Akbar. Vous savez, en islam, on dit Allah, il se comporte avec nous de la même manière que nous nous comporterons avec le Coran. Si on a rabaissé le Coran, Allah, il nous rabaisse. Oui. Si on a valorisé le Coran, Allah, il nous valorise. Si on a tourné le dos au Coran, qu'on n'a pas le temps, Allah, il nous tourne le dos. À combien de sœurs aujourd'hui qui sont attachées au Coran? Hein? T'es une mère. Hein? Tu dois avoir une bonne relation avec Allah. Tu dois éduquer, enseigner tes enfants. Leur apprendre à lire le Coran. Leur enseigner la salah. Tu vas leur apprendre quoi? Si toi, tu ne sais même pas réciter Fatiha correctement. Tu leur apprendras quoi? Hein? Quoi? Si on ne sait pas faire la salah. Hein? On ne sait même pas lire le Coran. Il y a combien de sœurs aujourd'hui qui savent lire? Il y en a combien? Pendant qu'on a tellement la possibilité d'apprendre. Tellement! Il suffit d'approcher à des gens qui savent, des connaissances, de se renseigner, Allah, il nous aidera. Mais on s'est détourné de tout ça. Tout ça, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est Facebook, WhatsApp, Snapchat, les selfies. C'est ça, non? Hein? Les feuilletons à la télévision, novelas, je ne sais pas, A+, maintenant qui est rentré dans la danse. Avec des feuilletons, on pourrait finir. On préfère regarder tout ça. Mais on n'a pas le temps pour le Coran. Allahu Akbar. Hein? Vous voulez vous éduquer dans votre relation avec Allah spirituellement? Attachez-vous au Coran. Point barre. Vous savez, Nabi alayhi salatu salam, il dit le jour de la résurrection, il y a une situation difficile qui va se produire. Il dit, cette situation-là, ce sera le témoignage du Coran.
Allahu Akbar. Le témoignage du Coran. Allah, il fera venir le Coran. Et Allah, il va demander au Coran de témoigner en faveur de chacun d'entre nous. Et quand le Coran finira de témoigner, il fera doa. C'est ce que le hadith dit. Et son doa sera exaucé. Allahu Akbar. Et Nabi dit, on demandera au Coran, celui-là dans la dunya, comment il se comportait avec toi? Si dans la dunya, tu lisais le Coran, tu t'attachais au Coran, tu appliquais les ordres d'Allah, Jalla wa Ala, le Coran dira, ya Allah, cet homme dans la dunya, il m'a valorisé. Il me lisait constamment. Ya Allah, il m'a mis en pratique. Ou cette femme, elle m'a valorisé. Elle me lisait constamment. Elle m'a mis en pratique. Elle méditait sur mes versets constamment. Elle ne m'abandonnait pas. Et le Coran dira, ya Allah, de la même manière qu'elle m'a valorisé dans la dunya, ya Allah, je te demande aujourd'hui de la valoriser de la même manière. Fera doa. Ensuite, pour d'autres, le prophète dit, le Coran dira, ya Allah, cette femme ou cet homme, il m'a rabaissé. Cette femme, elle m'a rabaissé. Elle n'a jamais eu le temps pour moi. Jamais eu le temps d'apprendre. Elle faisait tout l'opposé de tout ce que je lui disais. Elle ne m'a donné aucune estime, aucune valeur, aucune considération. Elle m'a rabaissé, ya Allah. Et aujourd'hui, ya Allah, je te demande de la rabaisser comme elle m'a rabaissé dans la dunya. Vous serez dans quel groupe? Moi, ouais, méditez. Le Coran dira quoi de vous le jour de la résurrection? Que vous le lisez constamment? Vous l'avez valorisé? Vous l'avez enseigné à vos enfants? Vous l'avez enseigné autour de vous? Le Coran dira quoi? Il y a combien? Souvent, même si on fait un décompte, les sœurs ne connaissent même pas plus de 3 ou 4 sourates du Coran. Il y a plein. Si c'est trop, Fatiha, Ikhlas, Falak, Pinnas. Pendant 40 ans, elle prie avec ça. Oui. C'est tout. C'est tout ce qu'elle connaît du Coran. Et ça encore, elle le récite pas bien. Et ça encore, elle le récite très mal. Allahu Akbar. C'est tout. Seulement ça. Subhanallah. Hein? Il y a plein de sœurs comme ça. C'est tout ce qu'elles connaissent. Allahu Akbar. Vous savez, si vous vous éloignez du Coran, non seulement vous perdez des gros, vous vous éloignez d'Allah, vous saccagez votre éducation spirituelle, mais vous vous exposez à beaucoup de méfaits. Oui, beaucoup de méfaits. C'est dangereux. C'est dangereux de s'éloigner du Coran. Je ne vais même pas citer des dangers entre notre relation avec Allah, ça, on le sait déjà. Mais parmi les dangers que je vais souligner, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a évoqué un fait qui va se dérouler vers la fin des temps. Il dit vers la fin des temps, il dit lorsqu'Allah il a créé la dunya, les djinns habitaient la dunya avant que nous on y habite, comme l'a dit Ibn Abbas. Mais Allah, il a demandé aux anges de repousser les djinns dans les broussailles, c'est-à-dire dans la brousse, d'autres dans la mer, d'autres dans le désert et tout. Et Allah, il a mis un voile qui nous sépare, nous et eux. Ils ne peuvent pas interagir dans notre monde comme ils veulent et nous, on ne peut pas y avoir accès. Et tant qu'on respecte cela, alhamdoulilah. Mais Nabi Dir, alayhi salatu wassalam, il dit vers la fin des temps, il dit tellement les hommes vont dépasser les limites d'Allah, tellement on va faire beaucoup de haram. Il dit, la barrière qui se trouve entre nous et les djinns va s'effriter, elle va se déchirer. Il dit à telle enceinte que ce sera très facile pour les djinns de quitter leur monde et d'interagir dans notre monde comme bon leur semble. Et à ce moment-là, quand ça va arriver, ceux qui pourront s'en sortir, je le dis ouvertement, c'est ceux-là qui seront attachés au Coran. Sinon, tout le reste, ils vont s'exposer aux méfaits des shayatins. Parce qu'il n'y a rien de plus dur pour les djinns que le Coran. Et ça, vous savez, je vous dis une chose. Quand une femme dépasse les limites et désobéit à Allah, la première des choses que vous perdez, c'est la protection d'Allah. Parce qu'Allah ne protège pas les désobéissants et les pervers. C'est la première des choses. Tu n'as pas porté le hijab, tu es sorti. Sache que tu as perdu la protection d'Allah. Tu t'es exposé. Si tu es sorti, que tu t'es rendu belle, ça je vous dis ouvertement. Les djinns, les mêmes choses qui attirent les hommes chez les femmes, là, ce sont les mêmes choses que les djinns aiment chez les femmes. Donc si toi tu t'es rendu belle, tu es sorti. Si un djinn il t'a vu, il dit ah, elle est très belle et il te suit. Mashallah.
Moi, il te suit. Puisque toi, tu t'es rendu belle pour que tout le monde te regarde. Les hommes t'ont regardé, eux, ils ne t'ont pas suivi. Mais le djinn, lui, il te suit. Voilà pourquoi Allah, il dit, quand vous sortez, ne vous maquillez pas. Allah, il sait ce que vous ne savez pas. Couvrez-vous au maximum. Faites votre doa et vous sortez. Le djinn, il te suit. Il rentre avec toi à la maison. Si toi, tu es tellement pressé, tu as tellement chaud, ah, il fait trop chaud, tu enlèves ton vêtement. Si tu as oublié de dire Bismillah, hein? En enlevant ton vêtement, le djinn, lui, il est juste à côté. Il voit ta nudité. Il est là, il te regarde. Quand il voit ta nudité, il veut plus. Il dit, ah, elle est très belle. Il veut plus. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Quand tu rentres dans la douche, tu n'as pas fait tes doigts, il rentre avec toi. Si tu as fait tes doigts, il reste là dans un recoin de la maison. Le soir, tu vas te coucher. Si toi, tu ne connais pas le doigt du Coran, tu ne fais pas tes doigts, tu te couches. Le djinn, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'apparence d'un homme, ton mari ou quelqu'un que tu aimes, et vient abuser de toi dans ton sommeil. Il vient avoir des rapports charnels avec toi. Il le fait une fois, deux fois, trois fois. Tu as l'impression, tu te lèves le matin, tu as l'impression que tu as été avec un homme et tout. Tu dis c'est des rêves de façon répétée. Ça non, ça c'est pas des rêves juste émotionnels. C'est des djinns ça. Et à un moment donné, il prend goût et il te voit toi comme lui sa femme. Le jour où il veut, il vient. Le jour où il veut pas, il part se balader. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il s'attache à toi. Et là, quand il est attaché à toi, ça devient un problème. Parce qu'il commence à rivaliser avec ton mari. Il voit, si tu es marié, il voit ton mari comme un problème. Donc souvent, si toi tu ne sais rien du Coran, tu ne fais pas tes doigts, les savants disent, il peut te pourrir la vie. Souvent tu es assis à la maison, ton mari rentre le soir, tu ne sais pas ce qui se passe, mais le gars il t'énerve. Oui, ça arrive. Il ne t'a rien fait, mais quand tu le vois, c'est comme si on a mis des déchets sur lui. Le gars il t'énerve, tu ne veux même pas le sentir. Ça c'est le travail des djinns. Tu piques des crises de nerfs pour rien, tout ça pour saccager ton mariage. Parce que il ne veut pas, lui, il ne veut pas te partager avec ton mari. Il veut être le seul. Allahu Akbar. Et si tu n'as pas fait attention, si tu as un enfant, le djinn, il rentre dans la concurrence, se met en tête que cet enfant-là, c'est pour lui. Parce qu'on dit, oui, parce qu'on dit souvent, si l'homme n'a pas appris le Coran, que l'homme il part avec la femme, qui ne fait pas de doigt avant d'être ou avant d'avoir des rapports charnels avec son épouse, on dit souvent un djinn peut venir participer avec lui dans l'acte sexuel. Imaginez. Donc souvent le djinn peut se mettre en tête que cet enfant aussi il est à moi. Voilà pourquoi la majeure partie des femmes qui ont des problèmes de djinn, ça suit les enfants. Oh, le djinn il peut vivre 300 ans, 400 ans, 500 ans. Tu meurs, lui il est là. Il dit ceux-là ils sont à moi. Et ça te pourrit toute une génération. Tout ça pourquoi? Tout simplement parce que tu t'es détourné du Coran. Et de nos jours c'est quelque chose de fréquent. Nabi l'a dit. Le haram, il est répandu aujourd'hui. Les femmes font que le haram. Et aujourd'hui, beaucoup de sœurs ont ces problèmes. Et la solution à ça, wallahi, c'est le Coran. Il n'y en a pas, il n'y a pas ailleurs. Une femme qui est beaucoup attachée au Coran, peut-être qu'au début, les djinns te fatiguent. À un moment donné, ils n'en peuvent plus. Trop, c'est trop. Laisse celle-là avec son Coran et puis nous, on part. Oui, c'est comme ça. Et Allah lui-même, il te protège. Ce sera dur au début. Tu auras la paresse. Mais le remède contre ça, c'est le Coran. La majeure partie de celles qui sont très éprouvées, ce sont souvent des sœurs qui se sont détachées du Coran. Sinon, même si ça persiste, reste attaché. Entre vous deux là, il y a un qui va partir. Si toi tu ne fléchis pas, tu restes attaché à Allah, lui il s'en ira. Mais si vous ne savez même pas lire le Coran, hein? Comment vous allez vous protéger, vous et vos enfants? Comment on se fait ça? Hein? Je ne le souhaite pas. Ta fille a un problème de djinn et tombe tout à l'heure, tu fais quoi? Hein? Tu vas aller chercher un oustaz? Tu fais quoi? Vous faites quoi? Hein? Aujourd'hui, combien de personnes se retrouvent dans le shirk? Parce qu'ils ne sont pas attachés au Coran. Oui, parce qu'ils ne sont pas attachés au Coran. Parce qu'ils ne lisent pas. Et ils se disent qu'ils peuvent avoir la protection auprès de certaines personnes. Pendant qu'Allah vous a donné le Coran pour ça. Pour avoir une bonne relation avec Allah. Donc, le conseil est un conseil suivant. Troisième conseil, attachez-vous au Coran. J'insiste là-dessus. Apprenez, mes sœurs en Allah. Apprenez. Apprenez, wallahi l'azim. Apprenez. Parce qu'on ne peut pas avoir une bonne relation avec Allah dans l'ignorance. Ce n'est pas possible. Hein? Ce n'est pas possible. Tout à l'heure, la sœur, elle a récité pas mal de haya. À d'autres sœurs qui l'a regardé avec, admiration. Waouh, elle lit bien le Coran. Ce n'est pas sorcier. Oui, ce n'est pas sorcier.
n'y a rien de... C'est pas de la magie. Il suffit de vouloir et on y arrive. Moi, je me rappelle, parmi ceux que j'encadre, il y a une maman, il y a deux mamans dedans. Il y a une qui a 43 ans et une autre qui a pratiquement 48 ans. Celle qui est la plus âgée, qui a 48 ans, pratiquement 50 ans, elle a presque fini sa mémorisation du Coran. Oui, elle est déterminée à finir. À cet âge-là. À cet âge-là. Elle a presque fini. Il lui reste moins d'un juz pour finir sa récitation, sa mémorisation. Même pas la lecture. Ça veut dire à ce moment, oui, c'est possible. Même à 60 ans, on peut apprendre le Coran. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Ne vous dites pas non, je ne peux pas. Ah, vraiment, l'arabe, là, c'est... Non, la lecture, c'est facile en réalité. Il suffit d'aimer, de s'y attacher et d'apprendre. Souvent, deux semaines, avec un bon professeur, une bonne méthode, deux semaines, trois semaines, vous savez lire et déchiffrer. C'est pas difficile. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Mais on ne veut même pas fournir un petit effort. On ne veut pas s'attacher à la science. On ne veut même pas apprendre le Coran. Hein? On veut toujours appeler les gens, venir faire ceci ou cela. Et vous-même, vous ne pouvez pas apprendre. Attachez-vous au Coran. Attachez-vous au Coran. Quatrième conseil que je vais vous donner dans votre éducation spirituelle, dans l'éducation spirituelle de la jeune femme musulmane. Peut-être que j'en ai parlé un tout petit peu, mais je reviens dessus parce que le Nabi a parlé de ça de façon isolée. C'est toute une qualité à obtenir, tout un comportement. As-sabr, la patience. La patience. Allahu Akbar. As-sabr, patienter. En arabe, vous savez le mot sabr, il a trois définitions en français. As-sabr, ça veut dire la patience, si vous voulez. As-sabr, ça veut dire la persévérance. As-sabr, ça veut dire l'endurance. Dans ce cas-là, il dit wasbir ou fasbir. Dans ce cas-là, il dit patienter, ayez as-sabr. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'asseoir juste pour attendre. Ça veut dire patienter, persévérer et endurer. Naam. Il n'y a pas de réussite dans cette dunya sans patience. Ça, je vous le dis. Quand vous allez commencer à vous attacher à Allah, parce que vous allez commencer à appliquer les conseils qu'on vous a donnés, vous allez commencer à valoriser Allah comme il se doit, à reconnaître le statut d'Allah et celui de Nabi, à vous attacher au Coran, naam, à accepter la sunna et tout ça. Ce qui va se produire dans votre vie, Allah va vous aimer, mais lorsqu'Allah va vous aimer, Allah il vous mettra à l'épreuve. Ça c'est clair. Il va falloir beaucoup de patience, beaucoup d'endurance et beaucoup de persévérance. Ça je vous le dis ouvertement. On ne peut pas atteindre Allah sans patience, sans persévérer, sans endurer. Souvent, il y a des soeurs qui veulent porter le hijab. C'est vrai, ça arrive. Tu commences à porter, on t'insulte. On te rabaisse, on se moque de toi. On ne peut pas avoir l'amour d'Allah sans persévérance, sans endurance et sans patience. Ce n'est pas possible. C'est pas, tu ne dois pas enlever le hijab à la moindre critique. Hein? Parce qu'on t'a rabaissé aujourd'hui, paf, t'enlèves le hijab. Non, 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 non. Patiente pour Allah. Persévère pour Allah. Endure à cause d'Allah. Et Inch'Allah, tu auras le résultat. Dans tous les compartiments de la vie. Toutes les actions d'adoration qu'on va, si vous voulez, accomplir, Inch'Allah, il va falloir patienter énormément. Beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Je sais de quoi je parle. Vous savez, dans cette dunya aujourd'hui, les croyants seront toujours éprouvés. An-Nabi alayhi salatu wassalam, il dit, cette dunya, c'est la prison du croyant et le paradis du mécréant. Na'am. Dans cette dunya, on sera beaucoup éprouvé. Si on n'est pas patient, on ne réussira pas. Et je vais vous donner un conseil aussi pour avoir la patience. C'est Allah même qui l'a donné, fi surat at-tur. Allah il dit, surat 52. Allah il dit, wasbir li hukmi rabbik fa innaka bi'ayunina. Au dernier verset. Allah il dit quoi? Wasbir li hukmi rabbik fa innaka bi'ayunina. Wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Vous savez, ce verset-là, moi, à chaque fois que je le lis, je dis, il est tellement beau. Si on le comprenait, on serait patient à vie. Jamais on n'allait désespérer.
n'allait tout endurer. Voilà. Voyez pourquoi c'est important de comprendre le Coran et de le lire. Juste un petit verset. Mais il nourrit tellement le cœur, il réconforte tellement qu'il nous donne beaucoup de force. Allah dit Wasbir. Fasbir. Allah dit patiente et assobre. Patiente, persévère et endure. Mais regardez, Allah, il a lié la patience à quoi? Allah dit Wasbir. Li hukmi rabbik. Al-hukm en arabe, c'est la décision d'Allah. Ce qu'Allah va décider dans ta vie. Le jugement d'Allah. Allah dit patiente face à ce que moi, Allah, je vais décider dans ta vie. Ça veut dire quoi? À quel moment on demande à quelqu'un de patienter, de persévérer et d'endurer? Lorsqu'on va prendre des décisions dans sa vie qui ne seront pas faciles à accepter. C'est pas ça? Naam. Sinon, si c'est facile à accepter, je ne te demande pas de patienter. Je ne te demande pas de persévérer. Je ne te demande pas d'endurer. Mais Allah, il dit, Osbir li hukmi rabbik. Soyez patient. Soyez persévérant, soyez endurant vis-à-vis du décret d'Allah, de ce que moi, Allah, je vais décider dans votre vie. Naam. C'est vrai, tu pries matin, midi, le soir, tu lis beaucoup le Coran, tu jeûnes beaucoup, mais ça fait 10 ans, 15 ans que tu es marié, tu n'as pas d'enfant. C'est la décision d'Allah. Mais Allah, il dit, wasbir, patiente, persévère et endure. Continue de t'attacher à Allah. Pourquoi? Parce que c'est moi, Allah, qui l'ai décrété. C'est un décret d'Allah. Ça veut dire qu'il y a des décisions qu'Allah va prendre dans notre vie qui vont demander de la persévérance, de l'endurance et de la patience. Si on n'a pas ces trois-là, on va facilement tourner le dos à Allah. Voilà pourquoi, parmi les conseils dans l'éducation spirituelle, la femme musulmane, il faut qu'elle patiente, il faut qu'elle persévère, il faut qu'elle soit endurante. Wallahi, chacun connaît son épreuve. D'autres femmes seront éprouvées avec le manque d'enfants. D'autres même seront éprouvés avec le mariage. Souvent, c'est la belle famille qui t'éprouve. Oui, ça peut arriver. Souvent, c'est la belle-mère. Souvent, c'est le beau-père. Souvent, ce sont les sœurs. Allah seul sait ce que chacune vit dans son couple. Wallahu a'lam. Souvent même, l'épreuve, c'est l'homme, le mari. Allah seul sait ce qui te fait subir. Souvent, l'épreuve, c'est la pauvreté. Allah seul sait combien de fois c'est dur. Souvent, l'épreuve, c'est la maladie. Le mari, il est malade. La femme est malade, les enfants sont malades. Souvent l'épreuve, Wallahi al-Azim, ça dépasse souvent, c'est des situations extrêmement difficiles. Souvent l'épreuve même peut être l'humiliation. Tu peux être exposé à des situations humiliantes. Tu ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi ça m'arrive à moi? Tout ça, ce sont des épreuves de la part d'Allah. Jalla wa ala. Allah il dit, wasbir li hukmi rabbik. Patiente, persévère et endure face à la décision d'Allah. Mais quel est le conseil qu'Allah nous a donné pour avoir cette patience, pour avoir la force de patienter? Allah il dit fa innaka bi a'yunina. Allahu akbar. Ce mot-là, il est mashallah. Excusez-moi, mais Allahu akbar. Allah il dit fa innaka bi a'yunina. Allah il dit patiente, persévère, endure. À travers tout ce que moi, Allah, je vais décider dans ta vie. Mais pourquoi? D'où tu vas puiser la force? Allah a dit, فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. Allah a dit tout simplement, parce que moi, Allah, je te regarde, je t'observe, j'ai l'œil sur toi. Je vois tout ce que tu vis, tout ce que tu subis, tout ce que tu endures. Je te regarde, je veux voir. Est-ce que tu vas désespérer de moi? Est-ce que tu vas me tourner le dos? Est-ce que tu vas m'abandonner? Je te regarde. Fais en sorte que moi, Allah, en te regardant, je sois fier de toi. Fa innaka bi a'yunina. Tu es sous mes yeux, je te vois, je te regarde. Vous savez, le simple fait de penser, c'est vrai, je n'ai pas d'enfant. Je prends un exemple. C'est vrai, je souffre dans mon mariage. C'est vrai, je me marie et je n'y arrive pas. C'est vrai, je suis orpheline de père et de mère. Allah seul sait la vie que je mène. Je n'arrive pas à faire ceci ou cela. Allah sait ce que je vis. Mais le simple fait de penser que, ah, c'est vrai, ma situation est difficile, mais Allah me regarde, Allah m'observe, Allah me voit. Je ne veux pas qu'Allah soit déçu de moi. Je ne veux pas qu'Allah soit déçu de moi. Je veux qu'Allah soit fier de moi. On se mettra en tête que peu importe les épreuves, peu importe la difficulté, peu importe la peine ou bien les peines auxquelles je serai exposé, je veux qu'Allah y soit fier de moi. Je vais patienter. Je vais persévérer et je vais endurer.
pour Allah. Et vous savez ça, ça aide énormément. Voilà pourquoi je dis toujours, dans les moments d'épreuve, souvenez-vous qu'Allah vous regarde, qu'Allah vous observe. Et ça donne beaucoup de force. Souvent, quand on déprime, Allah me regarde. Est-ce que je veux qu'Allah voie que je suis un serviteur qui déprime à la moindre épreuve? Hein? Est-ce qu'Allah il est fier d'une femme qui désespère d'Allah juste parce qu'elle n'a pas eu d'enfant? Est-ce qu'Allah il est fier d'une femme qui se met en telle qu'elle ne réussira jamais, qu'elle ne sera jamais heureuse juste parce que, subhanallah, elle a subi quelques épreuves? Est-ce que quand Allah il nous regarde dans nos moments d'épreuve, est-ce qu'Allah il est fier de nous? Voilà la question. Est-ce qu'Allah il est fier de nous? Parce qu'Allah il dit فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, je te regarde, je t'observe. Et si Allah il nous observe, on doit montrer à Allah que ya Allah, c'est vrai, tu m'as mis à l'épreuve, mais cette épreuve-là fera en sorte que tu seras fier de moi. Et vous réussirez. Et quand c'est comme ça, c'est vrai, c'est dur, mais on s'en sort toujours. Mais quand on oublie le regard d'Allah, on déprime, se met en tête qu'on est seul dans cette dunya, qu'on n'a personne pour nous aider, qu'Allah, il nous veut du mal, Allah est en train de me faire souffrir pour rien. Et quand Allah il nous voit dans cet état, on montre à Allah que ya Allah, tu m'as abandonné, je désespère de toi. Et lorsqu'Allah voit le serviteur qui désespère de lui, Allah il n'est pas fier de son serviteur. Parce qu'Allah nous a appelés, amenou, des croyants, ceux qui croient et qui ont confiance en Allah. C'est tout. Donc, quatrième conseil, patienter, persévérer et endurer pour Allah. Wallah, je le dis, pour Allah seul et pour personne d'autre. Pour Allah seul, ne faites rien pour une personne. Soyez sincères dans tout ce que vous entreprenez. Wallah. N'acceptez rien pour les hommes. Rien pour personne. Si vous devez accepter quelque chose, seulement pour Allah. Si vous devez rejeter une chose, seulement pour Allah. Parce que les hommes, ils sont remplis d'hypocrisie. Les hommes n'ont pas réellement de fidélité. C'est Allah même qui l'a dit. L'homme, il n'est pas fidèle. Il sera avec toi aujourd'hui. Naam, c'est vrai, c'est dur à entendre, mais c'est une réalité. Il sera avec toi aujourd'hui. Tu es ma bien-aimée, tu es mon épouse. Je vais t'aimer jusqu'à la mort et tout ça. Je ne le souhaite pas. Si Allah, il donne la mort ce soir, ou Allah, il fait que tu décèdes demain ou après-demain, qu'est-ce qui va se passer? Après, on t'enroule dans un linceul. Le même mari creuse une tombe, il te met à l'intérieur, on met la terre sur toi. Un mois, deux mois, trois mois, six mois, si Allah a facilité, il se remarie. Continue sa vie. Et toi, si tu as oublié ta relation avec Allah à cause d'un homme, tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Wallahi l'arabe. Voilà pourquoi je dis, même si vos époux ont oublié Allah, vous n'oubliez pas Allah. Jalla wa ala. Sincèrement. Parce que les hommes ne sont pas fidèles. Le seul qui est fidèle, c'est qui? Allah. C'est Allah. Même notre mère nous abandonnera. Même notre père. Tout le monde nous abandonnera le jour de notre mort. Mais qui va nous témoigner une fidélité? C'est Allah. Si on était comme Allah, il voulait, Allah il va nous protéger. Il va donner l'ordre aux anges. Il dira, cet homme ou cette femme, elle s'est soumise à moi. Elle était soumise. Elle vivait comme j'ai demandé. Elle me craignait. Elle s'est attachée à moi. Aujourd'hui, moi, Allah, je demande aux anges d'écarter pour elle sa tombe et que sa tombe soit aussi large que l'extrémité des cieux et de la terre et ouvrez pour elle une porte du paradis pour que la fraîcheur du paradis lui parvienne jusqu'à sa tombe. Hein? Les gens te verront dans une tombe, mais Allah, il va te réconforter. Tu vivras dans un palace. Et le jour de la résurrection, Allah, il va te montrer que même si tout le monde t'a oublié, lui, il ne t'a pas oublié. Ce jour-là encore, ton mari va te fuir encore. Ta mère va te fuir encore. C'est Allah qui l'a dit. Yawma yafirru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Allah dit ce jour-là, ta mère va te fuir encore. Elle t'a abandonné dans la tombe. Le jour de la résurrection, yawma yafirru al-mar'u min akhi. Allah dit tes frères vont te fuir. Wa ummihi wa abi. Ta mère va te fuir. Ton père va te fuir. Allah dit ton compagnon, ton mari, il va te fuir. Wabani, tes enfants, ils vont te fuir. Vous m'avez abandonné dans la tombe. Et encore le jour de la résurrection, vous me fuyez. Tout le monde va te fuir. Mais Allah, il ne va pas te fuir. Naam. Allah, il va te rapprocher. Allah, il va te rassurer. Allah va te montrer que lui, Allah, il est Al-Mu'min. Al-Mu'min en arabe, ça a deux sens. Premier sens, ça veut dire un croyant. Deuxième sens, ça veut dire un fidèle,
un être fidèle. Voilà pourquoi on utilise le mot mu'min pour désigner un croyant. Le croyant, donc, c'est qui? C'est celui qui a cru en Allah et qui reste fidèle à Allah parce qu'il a placé toute sa confiance en Allah. C'est ça le mu'min. Peu importe l'épreuve, il est attaché à Allah, il est fidèle. Pourquoi? Parce que c'est un mu'min. Il croit et il est fidèle. C'est les deux qualités. Ce mot-là désigne ces deux qualités. Voilà pourquoi parmi les attributs d'Allah, on appelle Allah al-mu'min. Ça ne veut pas dire le croyant, ça veut dire le fidèle. Celui qui n'abandonne jamais. Celui qui nous sera fidèle, c'est Allah. Point barre. Donc si on doit patienter, c'est à cause d'Allah. Si on doit accepter, c'est à cause d'Allah. C'est lui seul qu'on veut. Si on l'a lui, même si tout le monde nous oublie, on n'a rien perdu. Et pour avoir Allah, il faut être sincère. Soyez sincère. Voilà pourquoi je dis oubliez les hommes. Soyez sincère. Je ne le fais pas pour toi. Je n'accepte pas pour toi. Je ne patiente pas à cause de toi. Je patiente à cause d'Allah. Parce que toi, tu peux m'abandonner à la minute. Toi-même, ton amour est intéressé. Moi, je le dis toujours, l'amour de l'homme, ce n'est pas vraiment un amour pur. C'est difficile à entendre, mais c'est vrai. C'est plus un amour intéressé. Pourquoi? Parce qu'un homme t'aime à cause des faveurs qu'Allah t'a accordées. C'est tout. Si tu es belle, c'est une grâce d'Allah. Si tu as un bon comportement, c'est une grâce d'Allah. Oui, parce qu'Allah, il aurait pu te créer malade, infirme, ou bien atteinte de quelqu'un. Tu peux être atteinte par la folie. Et on voit plein. Et personne ne peut tomber amoureux d'une femme qui a un problème mental. Non. Donc, ça veut dire que si tu te comportes bien, c'est parce qu'Allah t'a accordé une santé mentale et Allah t'a accordé un bon comportement. Donc, s'il t'aime, c'est pour les faveurs qu'Allah t'a accordées. Le jour où Allah va t'arracher ses faveurs, que tu vas perdre la mémoire, que tu te comporteras comme une folle, tu vas manger dans des poubelles, tu seras dehors, cet homme, il ne va plus t'aimer de la même manière. Il va tourner la page. Ça veut dire qu'en réalité, même l'amour des hommes est lié aux faveurs qu'on a reçues d'Allah. Donc pourquoi perdre Allah à cause des hommes ou à cause de nos semblables? Ne faites rien pour personne. Ne faites rien pour personne. Vous savez, l'âme redoutable face au shaytan, la'anatullahu ta'ala alayhi, ce n'est pas la science. Parce qu'on comprend très mal. On se dit que si j'ai mémorisé le Coran, que je comprends beaucoup, le diable aura peur de moi. C'est fou. Il n'aura pas peur. Parce qu'il a égaré des gens qui étaient plus savants que toi. Il n'aura pas peur. Ce n'est pas parce que tu es savant, tu as eu le doctorat, tu as étudié dans telle ou telle université que le shaitan, si il te voit, il a peur de toi. C'est faux. La seule chose qui fait que le shaitan, il désespère d'égarer une personne, c'est lui-même qui l'a dit dans le Coran. Suratul Hijr. Lorsque il a fait l'annonce à Allah, il dit « Ya Allah, la uzayinanna lahum fil ard, wa la uruyannahum ajma'in. » Il dit « Ya Allah, ces hommes et ces femmes-là, je vais tous les égarer. Hein? » Je vais embellir la dunya sous leurs yeux. Lui-même, Shaitan, il dit Illa. Je vais tous les égarer sauf un groupe. Illa. Ibadaka minhumul mukhlasin. Il dit Ya Allah, je vais tous les égarer sauf ceux parmi tes serviteurs qu'on appelle Al-Mukhlasin. Al-Mukhlasin, en arabe, les mots ont une racine. Al-Mukhlasin, ça vient de Mukhlis. Mukhlis, ça vient de ikhlas. Ikhlas, c'est la sincérité. Il dit, je vais tous les égarer, sauf ceux qui seront sincères. Parce que celui qui est sincère avec Allah, Allah, il te protège. Mais quand tu n'es pas sincère, Allah, il te tourne le dos. Le shaitan, il dispose de toi comme il veut. Et si vous voulez être sincère, ne regardez pas les hommes. Regardez Allah seul. Je veux qu'Allah seul. Je veux qu'Allah seul. Je veux personne d'autre. Ton merci, ton enchain, j'en ai pas besoin. Si Allah, il est satisfait, ça me suffit. Voilà pourquoi il faut patienter, il faut persévérer, il faut être endurant, parce qu'Allah nous regarde. Mais pour y arriver, il faut avoir un minimum de sincérité. Inch'Allah. Ensuite, je vous donnerai le dernier conseil, parce que je pense que on est à court de temps. Je sais pas, il me reste combien de temps? Combien? 5 minutes. 4 minutes, c'est pas grave. 5-4 minutes. Ok, donnez-moi 5 minutes en plus, 10, c'est bon? Hein? Inch'Allah. Pour le dernier conseil. Hein? Pour l'éducation spirituelle. Ou bien j'arrête tout de suite? Non. Ah, d'accord. Qu'Allah facilite. Le dernier conseil,
pour vous aider dans votre éducation spirituelle, c'est Allah qui l'a donné. Allah a dit « وَلَا تَغُرُّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا » وَلَا يَغُرُّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ » Allah a dit « Ne vous laissez pas tromper par cette dunya. » Dernier conseil. Ne laissez pas la dunya vous tromper à propos d'Allah. Ne laissez pas la dunya vous tromper à propos d'Allah. Ne vous laissez pas tromper par cette dunya. Wallahi l'azim. Ne laissez pas les hommes de cette dunya vous détourner d'Allah. Ce n'est pas parce que dans cette dunya, les gens ont abandonné le hijab. Les gens ne portent plus le hijab. Ce sont les djinns et les bouddhis qui sont à la mode. Et moi aussi je vais accepter les djinns et les bouddhis. Et cela va me détourner d'Allah. Allah dit, ne vous laissez pas tromper par la dunya. Et ne laissez pas l'amour de la dunya vous tromper à propos d'Allah. Aujourd'hui on a tellement aimé ce bas monde. On a tellement aimé l'argent qu'on est prêt à sacrifier même notre religion pour cette dunya. Oui, on voit plein de cas comme ça. Vous savez, il y a un verset où Allah dit « وَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا » Allah dit « فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ » Allah il a dit ça au prophète alayhi salatu wassalam. Allah il dit au prophète, Allah dit, viendra après toi ou après vous une génération de musulmans, des musulmans nouveaux modèles. Oui, Allah dit, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَدَاعُ الصَّلَاةِ. Allah dit, viendra après vous des musulmans nouveaux modèles. Mais comment? خَلْفٌ أَدَاعُ الصَّلَاةِ. Allah dit, ceux-là, ils vont négliger la prière. Ils vont abandonner la salat. Mais pourquoi ils vont négliger la prière? وَتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Pour suivre leur passion, pour vivre comme eux ils veulent. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Et ils seront tous en perdition. Vous savez quand ce verset est descendu, le prophète alayhi salatu wassalam, il a pleuré comme un gamin. Il pleurait comme un enfant. Et tellement il pleurait, et pendant qu'il pleurait, il demandait à Jibril alayhi salam. Il dit, Ya Jibril, est-ce que ce verset-là, Allah il parle de moi, ma communauté, les musulmans, ceux qui vont croire en moi, ils vont négliger la prière? Et Nabi il pleure. Il dit, est-ce que c'est vrai qu'il aura des gens qui vont dire, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah, et qui seront capables de négliger la prière? Jibril alayhi salam, il a répondu, il dit, Ya Nabi Allah, il dit, Naam, il aura dans ta communauté des musulmans qui vont négliger la prière. Et Jibril il dit, il aura pire que ça dans ta communauté. Nabi il dit comment? Il dit, il aura des gens qui seront capables de vendre leur religion tout entière à cause d'un petit profit de la dunya. C'est tout. Juste pour un petit truc de la dunya. Parce qu'il ne supporte pas la pauvreté, il va se mettre avec un charlatan pour faire le shirk. Juste pour avoir un petit plaisir dans ce bas monde, il a vendu sa foi, il a vendu sa religion. Pour un petit profit éphémère de la dunya, Jibril lui dit, alayhi salam, il y aura certains parmi nous qui vont vendre leur religion à cause de la dunya. Il y a combien de sœurs aujourd'hui qui négligent leur prière à cause d'un commerce? Hein? Il y en a combien? Ou à cause d'un travail? Elles ne prient même pas à l'heure. Il y en a combien ou à cause d'un business? Elles ne peuvent pas faire ses 5 prières à l'heure. Elles vont grouper 13 heures, Zohr, Asr, Maghrib, elle fait tout ça, le Isha, une seule fois le soir, à cause de la dunya. Hein? C'est à cause de ce bas monde-là que vous avez oublié Allah. Cette dunya-là, ce bas monde-là, où rien n'est sûr. On peut tout avoir aujourd'hui et tout perdre demain. On peut être en bonne santé aujourd'hui et on nous dépiste un cancer demain. On peut dire aujourd'hui, tu es en bonne santé, demain, tu as une tumeur. Mon mari peut être avec moi aujourd'hui. On passe se coucher, je me relève le lendemain, je le réveille pour la prière et il est mort et c'est fini. Allah peut me donner un enfant tout de suite. L'enfant a 6 mois, 10 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, où l'enfant il commence à courir dans tous les sens. Allah lui donne une maladie et il est mort. C'est à cause de cette dunya-là où rien n'est sûr. Tout est éphémère. On peut tout perdre en une fraction de seconde. C'est à cause de ça que nous on a oublié Allah. Hein? Juste ça. Juste ça. Juste ça. Il n'y a rien de sûr. Rien. Combien d'enfants se sont couchés le soir? Ils ont dit « Salam alaikum maman, salam alaikum papa ». Il s'est réveillé le matin, il a été frappé à la porte de sa mère. « Maman, je suis prêt à aller à l'école ».
Il a frappé et frappé. Sa mère, elle est morte dans le sommeil. Il y en a combien? Ils sont combien? Ils sont combien? Des hommes mariés. Elle s'est couchée à côté de son mari. Les deux ont passé la nuit ensemble. Ils ont échangé, ils ont ricané. Le matin, le lendemain, elle part enterrer son mari. Il y en a combien dans cette dunia? Hein? Combien marchaient hier? Aujourd'hui, ils sont paralysés à vie. Combien de femmes étaient bien portantes? Aujourd'hui, leur a dépisté un cancer de C, ou ceci ou cela. Il y en a combien? Ils avaient tout hier et ils ont tout perdu aujourd'hui. C'est à cause de cette dunia-là que vous avez oublié Allah. Vous voulez réussir? Allah, il dit, ne vous laissez pas tromper par la dunia. Ça, je vous le dis. Cette dunia, c'est la fausseté. Il n'y a rien de réel. Tout est faux. Rien n'est durable. La seule chose de durable et de vrai qu'on peut avoir dans cette dunia, c'est l'amour d'Allah. Pour ça, il faut qu'on construise notre relation avec Allah, qui est notre spiritualité. Attachez-vous à ces conseils, inshallah. Et nous prions Allah qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous comprenne sur le haq. Qu'Allah fasse de nous des croyants sincères et pieux. Sur ce, Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'budu hadha surat al-mustaqim. وبارك الله تعالى فيكم والله أعلم الأحكام واحبكم في الله عز وجل والسلام الله تعالى عليكم ورحمة الله وبركاته. Encore des préoccupations, vous levez la main tout simplement et vous pouvez poser vos questions avec nous. S'il y a des questions, il faut les poser. N'hésitez pas. Si on peut répondre, on va répondre pour vous aider. On est là pour apprendre. Salam alaikum ustaz. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Maintenant, vous remerciez tout. La question était la suivante. Concernant l'utilisation des planning familiales. Je peux avoir une feuille, je vais recenser les questions. C'est pas mieux? Je vais lister les questions et puis ensuite. Une feuille avec un stylo. Je vais te voler ton stylo, hein. Inch'Allah. Avec un petit sous-main, si possible. Ou bien, je pense que c'est bon, ça peut passer. Oui, Naam, ta question, on va prendre les questions, comme ça on aura le temps de répondre, c'est mieux, non? Voilà, donc, c'est concernant quoi? Les planning familiales. Ok. Je vais savoir si c'est halal ou haram. D'accord. Wa alaykoum assalam wa rahmatoullah. D'accord. Merci. Question. Bon, celle qui, je ne sais pas, si tout le monde a la force de parler, sinon celle qui ne peut pas, elle peut écrire aussi et puis envoyer. C'est possible, non? D'accord, donc allez-y. Bonjour, allez, comment ça va? Merci pour ce bon exposé que vous avez fait sur le thème de l'éducation spirituelle. Hier, j'ai eu la chance d'être venu de vos c'est ça. C'est ça. Bon, je suis toujours maman et toujours la famille. Machallah. J'ai une idée à ici, j'ai pas fait quoi de faire. Mais je me dis que je prends encore, je connais encore sur la religion. C'est ça.
pour que je continue d'apprendre. Et vraiment, je veux voir la grâce de Dieu, je vais prendre l'occasion que tu saches qu'il y a encore une belle année plus. Donc, je prends le micro parce que je vais essayer de dire toutes les expériences que j'ai vécues pour faire ressortir un peu la sincérité dont vous parlez. Depuis août 2010, je suis appelée par la maladie, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, ça va beaucoup prier. Je ne conseille pas non plus que moi, je connais mes prières, mais par la grâce de Dieu, comme vous le dites. Je suis assise là. Bon, est-ce que moi, je veux expliquer pour ma fille, ma soeur ici. Bon, la maladie a fait que j'ai une connaissance qui m'a envoyé vers quelqu'un qui n'est pas musulman, qui n'est pas musulman, qui s'appelle, c'est pas une prophétesse. Donc, quand je suis allée chez cette dame, elle a dit que ma maladie n'était pas simple et qu'elle était une prière pour moi. Mais bon, franchement, je vais insister sur la sincérité parce que dans mon cœur, je n'ai pas accepté ce qu'elle m'a dit. Je n'ai pas été sur les détails, mais je n'ai pas accepté ce que cette dame-là m'a dit. Mais simplement, je viens respecter ma parole que j'ai donnée à la personne qui m'a accompagnée. Je lui ai dit, bon, moi, je fais vraiment, je crois en Dieu, mais puisque tu insistes et que je t'ai déjà donné ma parole, je vais partir une fois ce qu'il y a là. Mais tout en ayant ma foi en Dieu, cette sincérité-là. Donc, tout ce que cette dame m'a dit, j'ai écouté, mais je ne croyais pas, je n'ai pas pris, je sais ce que c'est, j'ai foi en Dieu. Et je vous assure que toutes les indications, toutes les décisions qu'elle m'a données, j'ai pas fait. Elle m'avait même dit de boire du vin, de boire ceci, de boire cela. Mais je n'ai pas fait. Bon, je n'ai rien fait, mais je viens faire croire que j'ai fait tout ce qu'elle a fait. Mais moi, je me suis confiée à Dieu, j'ai prié, j'ai fait tout ce que je pouvais faire par la danse. La petite fois que j'ai, je vois une amélioration dans ma santé jusqu'à aujourd'hui. C'est pour dire à mes filles que vraiment, dans tout ce que nous faisons, c'est vraiment la sincérité. Ayons foi en Dieu. Vraiment, donnons la place que Dieu nous donne pour nos vies et pour les choses vont s'arranger. Franchement, Inch'Allah. Donc, il faut cesser de croire fermement que Dieu est là. Quand on s'approche à lui, il n'y a rien à faire. Tout se joue à nous. Inch'Allah. Maintenant, ma petite question que j'ai à poser, c'est que bon, souvent dans la prière, quand on prie à la mosquée, il y a un besoin avec les gens. Bon, peut-être que notre habitude fait que pendant qu'ils font les doigts, nous sommes au stade de rester sur la soirée. Bon, on ne finit pas, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter, dit Amin, Amin, aux bénédictions qui dit qu'on y est terminé ce que nous sommes en train de faire. D'accord. Voilà, ça c'est. Je suis allée à moi ici plutôt pour prendre encore deux questions. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Oui. Merci à tous. Ma question se situe. Récemment, j'ai vu une vidéo. C'est pas la vidéo, mais c'est pour cette question que j'ai entendu. Et le thème, c'était le thème que le stade est développé, je parlais de la communication. Et il a dit que même si c'est le support que a le parlement, je veux tout savoir. Et donc, moi, ça m'a amené à poser la question de savoir, comme ça, s'il y a des péchés. Parce que moi, j'ai toujours appris à penser que quand que tu te réponds et puis tu ne le défais plus, arrête par là, tout ce que tu veux faire, quand que c'est ça. Bon, quand j'ai vu la vidéo, ça m'a vraiment posé la question de savoir s'il y a des péchés comme ça en fait. C'est-à-dire ces péchés, même si tu le réponds, ça reste comme ça en fait. Mais je veux savoir, est-ce que tu as le nom, une idée de l'oustaz ou l'imam qui a dit ça? Non, c'était une vidéo de TikTok que les gens font avec la voix. D'accord. D'accord. Comment tu veux voir?
Assalamu alaykoum. Wa alaykoum assalam wa rahmatoullah. Merci qu'on a fait à l'Ustaz pour l'interrogation. Moi, je voudrais savoir, vous avez souligné le sujet concernant les problèmes liés aux personnes qui sont déjà mariées. Mais moi, j'aimerais savoir, combien est-il de, en disant, on parle des ceux qu'on appelle qui sont d'ailleurs, mais qui ont déjà rompu à l'intérieur, par exemple, les histoires des sorcières. Ces personnes-là, quand elles sont confrontées à des épreuves, au point même d'un cachet à l'état de santé, on a vu que les épreuves au fur et à mesure se succèdent. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous suggérez en fait? La question est la deuxième. Ça, si vous avez compris, je vais passer à la deuxième. Bon, ça, je n'ai pas bien compris. Tu as dit celles qui ont un pied dedans, je ne comprends pas. Un pied dans le mariage ou bien un pied où? C'est ce que je veux comprendre. Son fiancé. Comment? Explique ça simplement. Ils ont envoyé les colas, tout, il reste à fixer la date. Rien n'est officialisé, mais les choses sont déjà en cours. Okay. Les personnes sont confrontées à des épreuves. Si ces personnes, est-ce que la femme peut se retirer ou l'homme peut se retirer? Okay. La personne va rester mettant en tête que bon, c'est mon devoir qui est là. Donc avant que j'accepte et que m'appelle à ce foyer là, pourrait que je subisse d'abord ces épreuves que ma femme peut faire. Parce ok. Que vous avez compris, d'accord. À l'étape de... Je note ça d'abord rapidement. Oui. Qui ont fait que eux me rappellent en islam, les parents, ils sont ceux qu'il faut respecter, eux me rappellent ses parents, oui, ils sont d'accord. Mais souvent, les épaules font que la relation mère-enfant, elle est également un attaché. C'est vous qui voyez, il n'y a pas de problème. On va prendre seulement 5 questions. Ok. D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord. Excusez-moi, bismillah. Mm-hmm. Les relations. C'est la relation entre mère-enfant. Disons, les relations parents-enfant. Souvent, quand il y a un peu engagé, je pense un peu dévagué. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil? Le fait que l'un d'entre eux pense que l'autre l'a abandonné. Que donnerez-vous à ces personnes comme conseil? Ok. Merci beaucoup. Nous sommes recevant des plus de 5 questions et une autre question. Ah bon? Ah! Excellent. Bon. Bon, d'accord. Ce qu'on va faire, de grâce, ne limitez pas à 5. Donnez-moi un temps. Où je peux finir? Là, je fais l'effort de répondre au maximum de questions. C'est pas mieux? Hein? C'est pas mieux? Parce qu'avec les questions là, si je pose que 5 questions, vraiment, ce sera difficile. Vous me donnez combien de temps pour les questions? Vu votre programme? 15 minutes maximum. D'accord, c'est bon. On va faire l'effort, Inch'Allah. D'accord, donc première question. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أخرجنا من ظلمات جهل والوهم إلى أنوار معرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات الخروبات. Donc première question, la sœur demande: concernant le planning familial, que dit l'islam? Déjà, concernant le planning familial, l'islam se prononce sur ce qui te pousse à pratiquer le planning familial. D'accord? Si c'est la peur de la pauvreté qui fait que tu ne veux pas avoir beaucoup d'enfants, ça c'est haram. D'accord? C'est le prophète qui l'a dit lui-même. Un jour, il y avait un compagnon du prophète qu'on appelle Abdallah ibn Mas'ud. Il dit qu'il a posé 3 questions au prophète, alayhi salatu wa salam.
Le hadith se trouve dans Al-Jami' al-Sahih de l'imam al-Bukhari, rahimahullah. La première question, il a demandé au prophète, il dit, « Ya Nabi Allah, parmi tous les péchés, quel est le péché le plus grave ?» Le prophète a dit, c'est le shirk, le fait de commettre le shirk. Il dit, « Et après le shirk, est-ce qu'il y a un péché plus grave ?» Le prophète, il dit, « C'est le fait de tuer son propre enfant parce qu'on a peur qu'il diminue notre part de nourriture dans la dunya. » D'accord ? Le prophète, il dit, « Tuer son propre enfant parce qu'on pense que s'il vient, on va mourir de faim. » Lui va venir diminuer notre part de nourriture dans la dunya. Cela me dit, c'est le deuxième plus grand péché après le shirk. C'est un crime en islam. D'accord ? Troisièmement, il dit la fornication ou forniquer avec une personne proche, le voisin ou quelqu'un qui est proche de nous, ou la femme du voisin et tout ça. Donc, les savants, ils disent, si c'est la peur de la pauvreté qui fait que tu ne veux pas avoir, tu veux faire le planning, si j'ai deux enfants, là, ils vont mourir de faim, ça, ce n'est pas autorisé. Parce que l'islam te demande de placer ta confiance en Allah. Et l'islam dit que chaque enfant vient avec sa baraka, avec sa subsistance. Un enfant ne vient pas manger dans la nourriture de l'autre. Si tu as trois enfants, et tous ils viennent avec leur baraka, avec leur subsistance. Le quatrième ne viendra pas manger dans leur nourriture, il viendra avec sa part de subsistance. Donc tu dois croire à ça au minimum. Maintenant, si c'est un problème de santé qui te demande, qui t'emmène à pratiquer le planning familial, parce qu'il y a des femmes souvent, malgré le fait qu'elles aient, des femmes quand elles allaitent, ne peuvent pas prendre de grossesse. Donc souvent, elles arrivent à espacer la grossesse de 2 ans, 2 ans. Il y a des femmes, malgré le fait qu'elles allaitent, elles arrivent souvent à prendre des grossesses. Souvent, ça peut empiéter sur la santé de la femme. Et Allah seul sait, souvent, il y a des situations difficiles. Donc si c'est un problème de santé qui affecte la femme, qui fait que la femme a un problème de santé, du fait qu'elle ne peut pas supporter des grossesses rapprochées et tout, l'islam dit qu'il n'y a pas de problème. On peut respecter un temps pour que sa santé soit préservée. C'est bon. Mais si c'est juste pour la dunya, pour nous-mêmes notre programme de la dunya, et puis ce qui est haram encore, on ne délimite pas son nombre d'enfants en islam. Donc moi là, je veux avoir 3, je veux avoir 4, puis c'est fini. Non, non, non. Ça, ce n'est pas autorisé. Parce que ce n'est pas nous qui devons décider les créatures qu'Allah doit mettre sur terre. Parce qu'en réalité, Allah nous les confie. Le jour où Allah il va décider de ne plus t'en donner, tu n'en auras plus. Parce qu'il y a des gens qui veulent mais qui n'ont pas. Il y a des gens qui veulent mais qui n'ont pas. Donc, ce n'est pas toi qui décides, c'est Allah. Tu as bien compris? Donc, si c'est un problème de santé, il n'y a pas de problème. Tu ne supportes pas, tu es faible. Vraiment, c'est une femme qui a une santé fragile. Ton mari, il peut respecter, il n'y a pas de souci. En dehors de ça, l'islam dit qu'on peut respecter 2 ans. Puisque le sévrage, l'enfant peut têter jusqu'à 2 ans. Il n'y a pas de souci. Mais pas peur de la pauvreté, il va venir agrandir mes problèmes, faire comme ça ou ceci. Moi, je ne vais pas avoir beaucoup parce que je n'ai pas assez de moyens pour le nourrir. Ça, ce n'est pas autorisé. C'est bon? Ok. Deuxièmement, demandez à l'oustaz de nous réciter surat al-Fatiha. D'accord? Je ne sais pas, il me reste combien de temps, Inch'Allah. Donc, il me reste encore 10 minutes, c'est ça? Alhamdulillah. Donc, on a Alhamdulillah Rabbil Alameen. Ar-Rahman Ar-Rahim. Le Him, pour celles qui ont déjà appris, on ne dit pas Him, mais on dira Hi, Hi. Parce que le Ha, il a le même makharaj avec le Aïn. Quand on dit Aal, là où ça gratte dans la gorge, quand on fait A, 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 vous voyez là où vous grattez, A, c'est là-bas qu'on fait sortir le Hi. Donc on dit Hi, Hi. On ne dit pas mais on fait comme ça, Hi. Donc c'est Ar-Rahman Ar-Rahim, Haim. Vous devez sentir qu'ici, le son sort de là. Haim, c'est bon? Maliki Yawmiddin. Le Maliki, le Kaf, il y a en arabe ce qu'on appelle, dans les règles de Tajwid, ce qu'on appelle Al-Makharij al-Huruf wa Sifatu al-Huruf. Al-Sifatu al-Huruf, ça n'a rien à voir avec Al-Makharij al-Huruf. Ce sont des qualités propres à certaines lettres. Le Kaf a une qualité propre à elle qu'on appelle Al-Hams. Al-ham, c'est le fait de faire couler de l'air lorsqu'on récite, on prononce le son d'une lettre. D'accord? Et la règle du hams est que lorsqu'une lettre possède sukun, elle est muette, l'écoulement de l'air augmente. Par exemple, cette lettre-là, il y a le sa. On dira par exemple bis, vous sentez que l'air coule. Bis, bismillah. Et parmi ces lettres-là qui doivent faire couler l'air, il y a le kaf. Vous voyez? Et lorsque le kaf porte une voyelle, l'écoulement de l'air doit diminuer, mais l'écoulement de l'air ne doit pas cesser. Donc, on entend les gens dire « Maliki ». Ce n'est pas « qui », mais il doit avoir un léger écoulement. On doit dire « Maliki ».
qui. Vous avez vu? Qui. Qui. Voilà pourquoi on dit Al-Malik. On ne dit pas Malik. Ce n'est pas un cas sec, mais avec un peu d'air. C'est bon? Donc ça donne Malik Yawmiddin. Le din, on a dit, ce n'est pas Middin, mais c'est Middin. Là où je mets le da. Hein? Là où je dis ta, c'est là-bas que je place le da. Middin. Ensuite, on a Iya Yashidda. Iyaka na'bud. Na'bud, ya ayn. Iyaka na'bud. C'est bon? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. C'est pas sta'in, mais c'est quoi? Sta'in, ayn, avec ayn. C'est bon? C'est pas sta'in, mais c'est sta'in. C'est bon? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ensuite, on a ih, ih. On vide tout l'air qu'on a. Ih, ih. Et dès qu'on a vidé l'air, automatiquement, la langue bouge pour se coller au-dessus. Ih, di. Ih, di. C'est pas ih, di. Vous voyez, c'est quoi? Ih, dina. Ensuite, maintenant, on ne tire pas. On est dans le temps, les gens disent ih, dina, siratal. Non, non, non. On ne tire pas. Le tirage est valable que lorsqu'on s'arrête. Mais lorsqu'on continue, le tirage s'annule. C'est bon? Parce qu'on doit faire la liaison avec la lettre qui suit, qui porte shidda. Donc on ne dit pas ihdina siratal. Mais on dira quoi? Ihdina sirat. Dès qu'on dit nas, nas, on colle le na avec le son qui suit parce qu'il y a shidda. Parce qu'on suit huruf shamsiyya. Donc on ne dira pas ihdina. C'est bon? Ihdina siratal mustaqim. C'est pas siratal, mais c'est quoi? Toi. Wal mustaqim. C'est pas kim, mais c'est qi, qi. Qim. Siratal. C'est pas siratal, mais c'est toujours le so. Siratal ladhi. C'est ladhi, c'est pas zi. C'est bon? Siratal ladhina an'amta alayhim. Et puis ensuite, on entend les gens disent Gairil. On entend Goyril. C'est pas Gairil. C'est pas Goyril. C'est bon? Mais c'est quoi? C'est quoi? Kalaï Fassili. C'est pas Gairil. C'est pas Goyril. Vous savez, quand vous dites Kha, 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 Khalidina fiha, vous voyez? Kha, Kha. Le Kha là. Il y a une partie de la gorge qui gratte, non? Le kha, il a le même makharaj que le ra'in. Là, on dit kha, la partie qui gratte là. C'est là-bas qu'on fait sortir la lettre. Donc, ce n'est pas gairil, c'est ra, 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 ra. Comme si je veux gratter, mais la langue n'arrive pas. Ra, 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 ra'iril, ra, ra, ra. Et non, go, c'est bon? Ra, ra, ra'iril, maghdoubi alayhim. Donc, ce n'est pas